La police nationale d'Haïti lance opération pour craser gang dans zone métropolitaine. Pral gang pile frappe kap bay nan jou ge pou vin la yo. Par conséquent, ça me joine comme information. Nèg oligarque yo semente sou vi yo, fok nomi Ramo, jwenn nou sniper pour mener opération dans Badelma pour fusiller barbecue. Messieurs dames, l'important jodi an pour que nous di bagay la jan liye pour ne pas passer par quatre chemins. Nous besoin éliminer barbecue, pas vrai? Nous besoin éliminer ce des chefs de gang. Non, mais Ramo pas qu'à prédicter dans des oligarques corrompus pour aller fusiller moun. Ça qui est important pour nous. Non, mais Ramo comme chef de la police, lui doit planifier opération pâle selon lui-même avec équipe li pour éliminer gang dans la zone métropolitaine. Mais par conséquent, pour éliminer gang, non? Est-ce que n'est pas important pour limiter action gang d'abord? Comment capable d'éliminer gang? Est-ce que c'est possible pour ces mêmes nèg k'ap vann gang nan katouche lan et puis k'ap voye ou même comme chef de la police à faire opération dans base gang nan? Nèg ou kon mache qui genere en pile l'argent dans pays a qui fait rentrer pile l'argent. C'est marché k'ap vann katouche là pour le moment. Nèg k'ap vann katouche 5 ans pé. Yo c'est gros client barbecue. Yo c'est gros client ISO. Yo c'est gros client vite l'homme, yo c'est gros client la mon sans jour. Si la police pas tiré avec barbecue, ça veut dire que yo ka passon 2-3 jours pas vendre on 3-4 500000 dollars américains bal. Ça veut dire qui ça? Que si n'yo décidé pour faire un demi-million de dollars américains dans cartouche dans zam dans pays chaque jour. Si la police pas mener opération dans zone métropolitaine pour péter balle avec bandi, cartouche là pas vendre parce que chaque club barbecue fin péter balle avec la police, bon 1 à 2 heures du matin. Mais quatre choses sorti Pétionville, descendent dans le ghetto. Et qui est-ce qui transporte encore? C'est les policiers qui transportent à jeune base gang. Est-ce que nous comprenons? Je dis, si nous avons une opération pour nous fuser barbecue, pas de problème. Si nous avons une opération pour nous fuser ISO, pas de problème. Si c'est le problème, nous. Mais par conséquent, faut que nous cherchions sniper tout pour nous fuser André Michel tout. Faut que nous cherchions sniper pour nous fuser dans le cas tout. Parce que yo c'est chef de gang. Yo c'est des gangs qui fusillent mon pays et de fait yo tuer président. Faut que yo mouri tout. André Michel pas carré là pour n'a chercher tout éviter l'homme seulement. Vite l'homme innocent, c'est cavalier Paul Kahn André Michel nos époque. Vite l'homme innocent, c'est cavalier Paul Kahn de Don Kato, Sheila Ludor et Valier Beauplan nos époque parce que yo te conchita sous même table pour définir même stratégie pour cas de comment pour tout mon dans zone métropolitaine pour mettre ville la tête en bas pour rendre président pas qu'à diriger pays. C'est même Mounio, c'est même équipe yo. Si nous avons cherché stratégie pour nous fuser vite l'homme, faut nous jouer des snipers tout. Faut la police qui sniper là dans tout cap vers de Michel, coul pas être prêt dans la chambre d'hôtel, dans chambre d'hôtel pour vider la tête tout parce que c'est même Mounio. C'est même Kabou Tomazo, c'est même Volo, c'est même gang yo. Ça veut dire qui ça? Tout éviter l'homme qui tenait le cassi, c'est dit que dans 2-3 ans, ou pas le 3-4 vite l'homme qui a produit. Parce que dans le cassi, c'est industriel. Touye, Nenel Kasi, qui te patron Renault Dib, c'est dit que, dans 2-3 ans encore, ou pral gon l'autre Nenel Kasi. Ça veut dire que c'est 3 étapes que lié. C'est 3 étapes que lié. Et je veux dire, faut que nous re les chats là dans nous. Faut que nous re les chiens dans nous. C'est son groupe de nègres qui finit avec un pays, ou pas qu'après une pour quitter l'autre. Les États-Unis d'Amérique, le Canada, Nations Unies en général, prend sanction contre des hommes d'affaires qui n'ont pays. Parce que yo joue une bonne information avec des preuves tangibles que nèg sa yo a baizam dans quartier populaire. Que nèg sa yo a baizam avec jeunes garçons dans tout petit coin dans pays a. Que nèg sa yo impliqué dans financer mouvement pour tout le monde dans pays a pour rendre pays invivable. Blanc prend sanction contre Negio. Ou ka imagino? Écoutez. Ou ka imagino? Yo neg. C'est lui qui a fait importation du riz dans le pays. Pour plus passer 800 millions de dollars américains par année. L'a importé du riz. Pour le vendre tout au pays. Et puis neg ça encore lui-même. Dans la bataille. Ça nous capable de concurrence de loyal. Yo a mis des jeunes garçons. Nous c'est des quartiers populaires.
pour capable faire bataille entre yo pour l'autre pas trop intérêt pas trop avantage une sur l'autre et puis qui est qui victime ces jeunes garçons yo même dans le secteur privé ya yo dans trafic d'organes dans pays hein. Ça veut dire qui ça yo fait groupe gang ça kidnapper des jeunes garçons pour yo des jeunes filles pour yo et puis vinn prendre rien yo vinn prendre poumon yo pour aller vendre avec étranger et yo faut connait dans affaire vendre rien vendre cœur yo qui doit essayer n'importe cinq moun là son grand rem dans de qui bon son grand rem dans de qui comme si m'dajou comme si y a trier rien qui bon y a démonté ici pièce par pièce comme motocyclette tant que pièce bicyclette pour aller vendre avec étranger ça veut dire qui ça yo ici t'a respirer dans pays d'Haïti n'ego fait suspendre respirer yo fait qu'elle suspendre bat en Haïti yo rache que li pour aller faire qu'elle bat en dans au corps chinois ça veut dire que haïtien ça que te connait haïtien mais que ça kounya yo démonté le soi haïtien yo al mettre en dans au chinois pour que ça le remet yo chinois dans pays la Chine trafic ça fait en Haïti pas l'état dans pays d'Haïti qui jambe en mesure pour que li mette un frein dans action ça Ariel Henry pour l'histoire et pour la vérité, te reçu, Dieu parole pour pays, dans la 78e Assemblée Générale, dans les Nations Unies qui te fait, année passée dans New York. Ariel te dit, trafic d'organes dans la fête dans le pays, il faut que les gens freinent. Et il bel et bien existé. Tout le monde connaît ce qu'il fait. DCPJ n'est pas capable au courant. Mais par conséquent, les gens ont un gros nom. Ils ont quitté, ils ont démoli pièce, ils ont démoli haïtien, pièce par pièce. Ministère! Qui a protégé, ne qui fait trafic d'organes dans le pays, hein? C'est le ministère qui coiffe les affaires en Guya. Ah, on va le dire, Betos, oui, c'est vérité. C'est même nèg qui dans un guillot, qui de connivence avec groupe gang qui a kidnappé moun, et puis qui a des médecins qui parlent espagnol, Mbadio Dominicain, qui a des médecins qui parlent espagnol, qui a venu racher les jeunes garçons haïtiens, qui a venu racher les jeunes femmes haïtiennes, qui a venu racher que moun. Non bas gang yo, parce que yon gede moun ki yon kidnappé. Yon fè famille bay rançon. C'est pour la forme. Yon pren moun, so pa jam tande l'ankon. Parce que moun sa gete dans dépatcha. Fouye tout mette kwa ou bien boule kwa. Premier groupe gang nan pays qui te commence avec pratique ça, c'est le gang 400 Maozo avec l'amour sans jour. Et m'a dit monsieur ça, yon noua ki condamné pour passer plus de 30 ans dans prison États-Unis, li bay information avec juge américain yo. Ça veut dire que ça, autorité américain. Il y a des preuves dans le pays et que vous connaissez qui est-ce qui est dans le trafic d'organes dans le pays. Tôt ou tard, après descendre des lieux qui ont fait dans le pays, il y a un pile nèg. Un pile nèg qui est riche, qui vit en Dominicani, des trafiquants d'organes. C'est des Haïtiens qui ont des connivences avec des oligarques corrompus, qui ont trafic en Haïti. Ils ont un zangit tout. Well, madame Beto, comment vous faites quitter le pays d'Haïti avec organes? Eh bien, allez checker pour connaître comment vous quittez le pays avec zangit. Et puis tout d'abord, ou ap konne si se pas sous couverture zangien qui yo kite pays avec Raymond avec que moun nan pays ya. Ça veut dire qui ça? Nan partage gâteau ka fait nan pouvoir. Yo bay Moïse Jean-Charles ministère de l'agriculture. Moïse Jean-Charles tout vend ni pour près de 3 millions de dollars américains avec nèg ki nan zangi. Ça veut dire qui ça? Indirectement, Moïse Jean-Charles mange l'argent organe nan, mange l'argent criminel nan, mange l'argent gang nan. Moïse son nèg moun o kap dwe prèl. Pendre sous place publique au cap haïtien. Monsieur son méchant. Comment t'es qu'à comprendre nos petits paysans ou c'est avec Milo ou qui ministère de l'agriculture dans mon comme politicien ou pas courir à chercher pasteur Moïse, Woodlin Pierre, paysan ou yo, dans bas plein Maribao, dans département d'Adeslan, pour dire regardez, mes ministères ça là, m'a metto comme ministre. Parce que je me sentis que ou envie de travailler la terre avec paysan. À chercher Woodlin Pierre, mettez-le comme ministre de l'agriculture, mettre là, pour faire aider paysan yo. A chercher moun latin la Tibonite, mettez comme directeur général, ministère là, pour travailler dans la pour aider paysan yo, mon pito vanni, pour faire l'argent, ministère n'a pas gagné que le pral régler. Parce que tout simplement, gen oligak corrompu qui n'a importation, kap décourager production nationale en de pays, ou préférer favorable avec des nek qui n'a importation, au lieu que ou favorable avec des paysans, kap travaille la terre, même gens ou même ou son paysan. Moïse sont criminels, Moïse sont assassins, sont méchants. Et Mouno Cap doit faire payer ça. Il doit prendre à boire des pacates. Dans la ville cap-haïtien, l'on tente de faire assembler quoi faire. Selon l'information, Moïse achète un caille pour 700 000 dollars américains dans Belleville.
Si vite l'homme innocent, pas on allié pour moi Jean-Charles, faut vite l'homme innocent te chercher Bakolo d'elle pour l'aller dans caïco faire cacher ya pour te foutre craser plat à terre parce que son chef de gang koye, gang pareil te foutre craser caillou, ça gang fait gang, moun de bien ri dans ça. Moi Jean-Charles sont criminels, sont assassins, sont petits volets. Les de connivence avec toute gang qui dans zone métropolitaine là et ça cause toujours ouais, il pas jamais parler de bataille contre gang. Parce que Moïse sont gang. Les gang pile l'argent. Les 20 militaires politiques lui la pauvreté pour couvrir richesse li. Mais malheureusement, si moun jusqu'au bout yo, si imbécile jusqu'au bout yo, a marché derrière dol tête à tête. Il pas jamais capable comprendre. Li utiliser tout jeune garçon pour faire politique li. Li fait tout yo pour faire politique li. Parce que lui même c'est comme ça qu'il vit. Petit li à l'étranger, faut qu'il bien vive. Mais imbécile là a manipulé tout le monde, a passé tout le monde dans farine pour faire l'argent sur de yo. C'est moi pour te joindre. Salope sale. On l'a qu'on s'en nos réunions. T'as foutu sel coup de bouteille dans pote tout. Si volé. A venir le tête au leader. Et moi pour te joindre. Moi, franchement, nous avons beau chance comme soi-disant leader politique. Et moi pour te joindre. Comme jeune garçon, mettez derrière de nous là, n'a pas manipulé, n'a pas mentor. Pour qui pour? N'a pas proposé bon partisan. M'veille contre Chita. M'voulou te n'importe 15 coups de machin de pote tout. Si volé, côté nous y est. Et moi pour te joindre. Nous pas jeune grenade Bouddha. Nous pas jeune actionnaire. Nous pensons comme si Nadjou, nous sommes qui piactionne dans la vie. Et moi, pour nous déjoindre, nous venons passer dans la bêtise, rance, et ça comme tout donne clé. Ou venez dans notre pays comme premier ministre. Ou gen volonté. Pas de problème. Si gen volonté, prouvez qu'on gen volonté. Automatiquement, vous avez des criminels notoires qui campent devant, qui constituent un véritable obstacle. Devant, montrer nation qui s'accroît à confronter. Montrer nation qui sort jeune comme obstacle. Et puis nous-mêmes, comme jeunes garçons, avisés. Comme combattant conséquent, n'a pas campé avant, mais montrer qu'on a volonté. Parce que Haïti, pas gagné pour nous voler encore, monsieur. C'est sauvé pour Haïti. Haïti, c'est sauvé Haïti. Haïti dans le coma. Haïti sous cabane de l'hôpital. Seul grain de sac que le besoin comme ce homme, c'est 100 petites lits. Faut qu'Haïtien baille 100 euros pour Haïti, fois ça. On sacrifie nous pour payer. On sacrifie nous pour payer. Je ne sais pas l'argent pour nous demander une autorité dans l'État pour encourager le faire des bagailles. M'bagay pou m'di nek beau garçon, sou pa beau garçon. M'bagay pou m'di nek pa fè, nek pa fè rien pendant m'a fon bagay. Sou a fon bagay, m'a bat bravo la contentement. Sou pa fè rien tout, m'a dénoncé ou. Même pa ki pou m'vin protéger ou pendant qu'on pa réglan rien, m'a vin comme si béo là non. Haïti kon gouvernement. Li gen tête li Gary Koni. Tout moun konnen question équipe coquin volé qui vin avec Gary Koni. De fait nous dit que si Gary Koni go ti kras moun, s'il c'est petit docteur Koni vrai. Ancien du Valéris. Alors, je suis capable de dire, du Valéris, et petit, alors, je suis capable de dire, Papadoc. Si vous connaissez que le petit casse moun haïtien la kaili toujours, l'a sacrifié. L'a dit tête li, à 58 l'année, qui était remgé, nan volo 30 millions, 100 millions de dollars américains sous doigt haïtien. Bon, font bagay pour tout bon. Bon, met pied matin. Je connais que, n'est qui nan coulève cette tête là, parle nous craser gang. Mais définitivement, n'a utilisé vraie stratégie pour nous combattre des affaires gang dans le pays pour tout bon. N'a yo pas voulu combattre gang, mais a bloqué Gary Koni parce que yo senti que Gary Koni t'en vie. Utiliser stratégie comme André Philippe là pour mettre une commission de vérité sous pied quelque part pour connaître une vraie nature problème non et puis automatiquement pour aller dans source problème non pour résoudre problème définitivement. Mais Gary Koni toujours ni entouré par même élément ça yo qui mettait gang dans le pays là. À savoir, oliga corrompu, gang qui n'a droits humains, gang qui n'a politique. C'est yo qui mette gang nan à terre dans le pays à baou. Je veux dire, yo besoin pour éliminer des chefs de gang clés qui yo estime qui ba yo problème. Et puis pour yo quitter tout soldat yo là avec tout arsenal zam nan. La kayo, moi me dis non. Faut gon vraie stratégie qui définit, faut gagner de formules clés qui mette à terre pour que nous capables éradiquer de ces gang nan sous territoire national là. Parce que je dis, hein, quitter tout jeune garçon ça yo, avec pile mitraillette dans yo, et pour tout yé iso, tout yé barbecue, c'est qu'on pas frayé. Parce que, iso yé patnel qui close avec elle, automatiquement tout yé iso, yon, on, comme si ap gon deuxième iso qui pi mauvais toujours, kap monte. Et l'ap gen plus folie, l'ap touye plus moun. Mais par conséquent, si que, ou mette yon stratégie à terre, par exemple, si nous prenons stratégie que Met Luc Mandelil, te mette sous pied, hein. Qui ça que le dit? Maître Lucman, franchement, mais c'est ça que vous avez toujours dit. Vous volonté que pas gagner vraiment.
Lucman Delisle, c'est n'a qui gen volonté réelle là. Lucman Delisle t'a décidé lui-même pour te font bataille pour te éradiquer gang dans le pays là. Et m'a dit nous ça très bien. Ouais gars, ils connaissent vin avec yon slogan kay pa kay, quartier par quartier et ville par ville, département par département, comme ça. Vrai monde qui t'a fait mouvement ça kay pa kay, quartier par quartier, zone par zone jusqu'à ce que nous arrivions ville par ville là. Li t'a prêlé mettre Lucman Delisle. Et si gars, ils connaissent gen volonté vraiment ou bien tout est quitté. Moun sérieux, moun honnête par la velle, ou bien t'es tant de nous, t'es consulté nous pour nous bal moun. Nous t'as dit gars, ou t'as choisi mettre Lucman Delisle comme ministre de la justice. Ou bien choisi comme ministre de l'intérieur. Comme ou ministre, ou porte fait ministre, ça n'a mou. Mettez mettre Lucman Delisle comme ministre intérieur. Et ou après, mettre Lucman Delisle apprend quartier que bandit occupé yo, quartier par quartier. La fèl, parce que c'est une meilleure stratégie. Et Lucman Delisle, monsieur, t'as pu bien travailler tout, parce que monsieur gagne 100 000 comme chef de la police, n'est que l'habitude de travail, n'est qu'il habitué à résultat, et yon entendu sur ça. Non, mais il est à mot capable. Monsieur gagne volonté. Mais par conséquent, entourage là, ou état-major police là, qui c'est des chefs de gang qui l'a dans, des trafiquants d'armes, de la qui gagne compagnie sécurité, qui pas jamais voulu, qui pas jamais voulu pour payer un gain, ça nous capable de sécurité, hein. De fait, non, mais il est à mot pas jamais capable de résultat. Oui, il a tout un paquet de bandits. Mais par conséquent, est-ce qu'il a récupéré le quartier? Je ne sais pas quoi. Mais par conséquent, si vous avez mettre Lucman Delisle, qui vient comme ministre de justice, ou bien, alors, comme ministre intérieur, mais le ça, ou avez Lucman Delisle qui a dit qu'on s'accueille, mais ça que l'a besoin comme moyen. L'État central a mis à la disposition. Et mais mettre Lucman Delisle a pchita avec chef police là, alors qu'elle connaît très bien, qui sont capables de combattre gang pour tout le monde, Lucman Delisle a occupé premier côté. Lucman Delisle l'apprend village de Dieu. Et me garantis, remettre Lucman Delisle, ministère de l'Intérieur, quand on parle là, dans le pays, et pour après, si Lucman Delisle baou, 8 mois, pour gagner la paix dans votre presse, pour essayer de gagner la paix. Allez bien, oui, il y a un grand monde qui me baou comme référence. Parce que moi, je me garantis, moi, monsieur, j'ai une volonté, et monsieur, capable de résoudre le problème, non. Monsieur qui a une volonté et monsieur qui a résolu le problème. Sous besoin de faire laisser frapper pendant négocier avec gang, vrai monde qui est capable de faire laisser frapper avec gang, il est le maître Lucman Delisle. Vous mettez quoi? Vous mettez quoi, s'il vous plaît? N'est-ce qui a fait bon laisser frapper avec gang, qui va pétouiller pour tout le monde, il est le Lucman Delisle. Lucman Delisle, c'est à prendre ou à laisser. Mais est-ce que Gary est prêt pour que Lucman Delisle vienne intégrer le gouvernement et puis pour bailler Lucman Delisle, match de manœuvre pour éliminer de ce gang dans ce territoire? Mais par conséquent, nèg qui nan primature lan, nèg qui nan coulève cette tête lan, nèg qui nan oligarchien, nèg qui nan politique lan, yo pas accepté pour Gary Koni choisi mettre Lucman Delisle comme moun nan gouvernement qui capable de le combattre gang nan. Gary Koni pas capable faire pour contou et nèg pas kito faire pour contou. Yo pas kito faire tout. Parce que nèg pas vle pour gang nan craser dans pays a pour tout bon. Mais espérer que autant de raisons docteur Koni, parce que nous même gon gagne ba ki besoin. C'est ouais yon Haïti pour moun ka marché parce que trop crime, trop vol, trop assassinat, trop crime fait dans le pays, trop disparition. Nous ne pouvons pas quitter ça, continuer. Haïti ne peut pas vivre avec ça encore. Faut que bon disposition qui prend. Nous ne pouvons pas quitter le continuer, mes amis. Faut que gagner un bail qui vous fait dans le pays. Mais si vous arrivé trop loin, mais si vous faites trop crime en dedans pays, mais si vous tuez trop de monde en dedans pays, faut que vous bail qui vous fait. Mais si vous êtes trop criminel. Peuple ici ka les yeux font bagay. An nou aide pays a sorti là. Nous capable aider. Nous ka aider Haïti là. Nous ka aider pays comme si recamper sous des pieds. Jodi an j'aime dire là c'est que Haïti besoin petite li yo. OK? Haïti besoin petite li pour aider sorti dans ça. Faut que nous tout mettez main. Jodi an ki c'est 25 avril alors juillet pardon. M'a oublié moi comme ça. Droite et gauche, et problème pays a oui. Attendez non. Je dis que c'est 25 juillet 2024. Et bon, Gary Koni comme actuel premier ministre, monsieur prend la parole et matin dans radio et dans radio et télévision Caraïbes. Qui ça qui dit? Eh ben, on prend le courrier. Alors, nous connaît que l'important, ou peut-être que tout problème avec Gary Koni,
Mais par conséquent, s'il vient participer dans l'émission, c'est le Premier ministre, ou gagne intérêt à tendre. On va l'inviter nous tendre, docteur Gary Koni ensemble avec nous. Parce que c'est important pour nous tendre. Et Gary Koni, qui est dans la radio et télévision Caraïbe, dans le micro Johnny Ferdinand avec Gary Diesel. Nous allons tendre Gary Koni, qui a répondu à une question, plusieurs questions, hein, qui peut être intéressant. Et nous allons tendre l'ensemble, et puis par la suite, nous allons tourner pour la deuxième partie de l'émission. Et nous mettez. On va dire bientôt, yeah, fin de passer, monsieur. N'a passé. Et PM Koni qui parlait. Voilà. Matin. Ok, on va le passer, monsieur. Parce que s'il parlait, fin de temps d'Eli. Comprenez-moi? S'il parlait, fin de temps d'Eli. Et il y a un pile bagay qui peut être. Ou tu as besoin de connaître. Monsieur que ou profiter voilà, à Bruxelles dans tout à l'heure c'est pas ça ou pas le connaît là. OK, nous pas le temps de Gary Koni actuel premier ministre qui a répondu une question journaliste Johnny Ferdinand et Guerrier et Jessel dans radio et télévision Caraïbes. Maintenant on entend avec un peu d'intérêt hein, pendant que vous quitter commenter par là selon vous même selon feeling c'est la façon qu'on comprenne. Ça a pris dans le pays. Est-ce que Gary Koni a pris le bagay? Selon la façon qu'on comprenne, ni, ou ap quitte un commentaire. Et puis nous-mêmes, par la suite, m'bral bay maman pe ba. Ça veut dire qu'il y a tant avec un pile intérêt. Et m'a vini pour maman pe ba. Entendez. Qui ça depuis le 12 juin, à qui sentiment ou t'y accepté pour un job premier ministre dans la conjoncture ça? Avec mon sentiment de. Quelqu'un qui voulait vraiment servir le pays dans un moment qui est excessivement compliqué et difficile. Nous n'avons pas aucune illusion sous défi. Nous comprenons que le moment est tragique. Nous avons suivi Haïti de près parce que nous étions directeur régional de l'UNICEF à cette époque. Nous venons à Haïti très souvent pour venir couvrir la situation de Timon. Nous avons suivi les données. Nous avons regardé comment la situation a détérioré. Et évidemment, le moment est venu pour nous capable offrir service. Nous, dans un contexte particulier, ça a été impossible pour nous dire non. Et je dis à M'ka dit que, après 6 semaines, j'en dis là, il y a un pile bail qui est accompli. Je souhaitais que nous parlions l'occasion pour nous parler de ça un peu, dans un contexte particulièrement difficile. D'abord, il y a une bagaille qui était très attirant, et que peut-être que nous pas souligné suffisamment, c'est pour la première fois qu'on a un groupe parti politique, qui a goumé entre eux depuis des années, pas jamais qu'en tant que soin, arrivé, battre un consensus autour d'une structure de gouvernance, côté eux tout qui ont participé. Ça pas jamais fait avant. Et plus que ça, structure politique, ça est arrivé en tant que son premier ministre, qui pas des leurs, qui pas partisan, il est arrivé faire confiance à un monde que pas qu'on en pile, et au mandé pour qu'imbé neutralité ça, pour le capable des pays à traverser transition. Est-ce que l'arrivée dans le job là, un mois après, ou déçu, ou bien, ou senti qu'il y a une nécessité pour un monde pour devenir, comment est le job là? D'abord, je ne suis pas tellement quand on job, pour te dire honnêtement. Je suis vraiment quand on engagement personnel. Et pas nous avons 600 000 personnes qui déplacent aujourd'hui, qui quittent Kayo, qui vivent dans des conditions inacceptables. Nous avons moitié population qui a une insécurité alimentaire. Nous avons choléra dans tout nos pays. Nous avons gang qui contrôle 80% pays. Et c'est sur le pays ça, nous avons. Nous avons économie pays qui a détérioré. Nous avons secteur privé à craser. Nous avons 150 000 plus qui partent en Biden. Pays nous en Haïti, dans situation côté l'ap sombré. Donc c'est normal pour que tout Haïtien, quel que soit côtoyé, ou vienne porter main forte. Maintenant, nous pas t'attendons à ce que nous avons un gros succès en 2 semaines, en 3 semaines. D'ailleurs, pas aucune référence de ça. Généralement, ça prend du temps, même pour pays qui parlent en situation Haïti. Donc, nous pas ni déçus, ni pas déçus. Nous conscients de tâches. Là, la seule chose que moi-même, Kabay, auditeur, garanti, c'est que n'a pas avancé. Lentement, mais sûrement et surtout de manière irréversible. C'est ça qui est important. C'est pour nous avancer bien, pour ne capable pas jamais tourner la situation que nous avons avant. Au départ, oui. On n'a pas dit, depuis, on n'a pas regretté qu'elle ait quitté les Nations Unies pour venir. Oh, ma BDPI, mon frère. Je donne tout ce que j'ai pour supporter mon pays, pas qu'à gagner un regret. Au départ, monsieur le PM, il y a un monde, la perception qui était, ouais, autant pour un
premier ministre made in Washington, en ce sens que vous avez été imposé au conseil présidentiel de transition par la communauté internationale, notamment les États-Unis. Après, il y a l'autre monde qui pourrait l'estimer, bon, c'est monsieur Kony avec équipe Lee qui a essayé et utilisé un stratagème pour cabrer le monde. Donc, il n'y a pas aucun blanc derrière. Donc, vous avez un commentaire? Premièrement, honnêtement, je ne pas tellement comprendre la question. La question, c'est que, dans la perception, il y a monde qui était quoi que, monsieur Kony, que CPT a été choisi, c'est comme si son monde était imposé, conseil là. Donc, c'est blanc qui est imposé, il n'y a pas de le choix. Donc, est-ce que vous-même, ou elle, comme ça? La perception est tout à fait mauvaise. Nous faisons des semaines de discussions avec intéressés, secteurs, qui fait plusieurs conversations avec nous et avec un pile d'autres monde, sous vision, nous, sous comment nous ouais problème insécurité, comment nous ouais transition, qui contribution, nous, cabaye, qui dénier. Et éventuellement, CPA font un travail extraordinaire. Ils réunit trois mondes de qualité. Digital, par là, avec eux, et sous base conversation que gagne, ils font choix. Donc, moi-même, personnellement, pas au courant, et pas comprendre non plus que, aux conclusions, aux perceptions, son perception certainement mal placée. Ça a été une décision haïtienne, tout comme constitution, conseil présidentiel, là, ton décision haïtienne. C'est haïtien qui choisit 9 membres. C'est haïtien qui choisit, en ce moment-là, constituer gouvernement, et c'est haïtien qui choisit premier ministre. Et je dis, avec un exécutif bicéphale, comment relation Gary Kony comme premier ministre avec le conseil et présidentiel de transition qui lui-même a joué et rôle président avec attribution présidentielle, etc. Comment relation lui? Merci, Johnny. Pour cette question, c'est importante. Pour moi-même, relation aussi prévisible que le TKE. Vous mettez ensemble 9 personnalités, plus son premier ministre, de fortes personnalités, avec des visions propres de comment vous payez, mais aussi avec des intérêts divergents. Pas oublier que chaque membre CPA issu d'un secteur politique, représentant un groupe politique, et donc, normalement, gagne des intérêts politiques. Donc, l'homme mettez tout ça ensemble, c'est absolument normal que nous gagnions des moments côté n'a challenge une lot. N'a discuté avec conviction, n'a voulu pousser point de vue nous sur un point ou un autre. Mais la réalité, c'est qu'en 6 semaines, j'en dis, et pas un précédent pour ça. C'est premier fois un gouvernement monté en semaine. Donc là, on dit, ça nous fait en 6 semaines, soit regarder de manière historique, en 6 semaines, c'est gouvernement qui a monté toujours. Nous arrivons à faire le compromis qu'il fallait à cause de l'urgence, nous montons un gouvernement là, une semaine. Ça n'a pas argument, PM. Monter gouvernement en 6 semaines, c'est gouvernement qui a mettez moun pour moi pour le volo. Ça n'est pas argument. N'a pas avancé, n'a pas continué tant d'eau. Mais ça, c'est pas qu'un bébou non. Ça va qu'un bébou non, le pas intéressant pour nous. Ok? N'a pas continué tant d'eau, oui. Mais comme si ça y est ou pas, pas. Non. Tout le monde connaît qui sont équipe volo, qui fait mon, qui dit, regardez, qu'un bébé tel, prend tel, mettez tel. Ou pas, écoutez, l'air force pour nommer paquet directeur général. Ça que tu là déjà, ou ça y a fait. Ça va le nommer, ça va le faire. Pour que ça n'est pas focus sur comment on a baissé sécurité dans Port-au-Prince là. Comment on a marché dans Port-au-Prince là? Comment on a fait mon tourner la caillou? Comment au moins il y a mon qui dans sud a capable gain garantie que la vienne passer sur Matissan pas gain cap bal problème. Il pas payer rançon. Comment Tibus cap fait Jacques Mel? Connait qu'il pas payer 3-4 PA encore. Poste de PA encore. Ça y est les postes de PA dans pays d'Haïti. Comment il y a mon qui la Tibonite a connait que il gain garantie et que la passé et me capable dit qu'a fou paye la vienne passer Canaran sans problème. C'est ça nous besoin. C'est pas question bagage une fête jol douce comme si n'a dû camper là tout le monde connaît que nego fait mon et on fait pète sourit et on peut parler voleur mal tout le monde connaît ces voleurs et attention Gary Kony pas monter colère non soit parler par les garçons volant vaillou voleur fait mon côté il faut pète sourit il y a foutu pression ou peut parler bay pays a avait monter que comme si n'a dû non on pas fait comment il est pas fait harmonie tout le monde connaît son groupe terroriste voleur politique gang. Mettez tout le bagage sur le tableau. C'est volo qui a force au bail propre. Comment est la direction générale pour vous? Et ça, c'est important pour payer comme ça. Ce qui est vicieux, criminel, assassin, gang politique, qui ne peuvent pas Haïti faire un pas. Je dis, on même venu là. Tout le monde connaît comment on vini. Si vous avez une volonté, montrez le peuple à lui. Et puis, ça qui bloque là, montrez le peuple à bloquer. Et puis, tôt ou tard, parce que vous n'avez pas en pile. Bon Dieu dans le ciel, qui a tout pouvoir, qui crée le ciel avec terre. Là, utilisez petit lio pour faire une manchette. Il faut retirer tête politique et criminels assassins pour payer une chance.
Parce que c'est bon Dieu qui a tout le pouvoir. Ça, toi ou ta bon Dieu qui a fait. Parce que ni vont mal que nous avons fait payer. Nous n'avons pas fait 38 ans à détruire petit bon Dieu comme ça. Non. Go côté bon Dieu dans ce ciel, à utiliser petit même je l'ai utilisé pour faire combat. Mais l'ai utilisé petit qui sur le terrain pour faire prendre manchette. Prends rache. Non seule l'idée. 2 millions de monde à chercher tout grand politicien haïtien pour dénicher dans le pays. Quand on y parle, soit parlé. Nous changer chef la police là en l'intérieur de 2 semaines et demie. Nous entendons nous jeudi à la sous une série de directeurs généraux rapidement. L'avancée sur le feuille de route qui définit exactement ça nous va le faire pendant la transition. On a fini avec une série de décrets qui pour banon l'autre instrument était prévu là encore. Tout ça avec des gens qui traditionnellement, historiquement, sous gardé bien pas jamais entendu un soin, mais qui jeudi a fait le grand pas, le grand sacrifice parce que tout le comprennent que le pays est en danger. Et sous gardé le perspective ça, peut-être qu'on va arriver à l'autre conclusion. Et là, est-ce que c'est vrai que gagné le nous chita ensemble, nous pas entendre nous bien entendre nous, mais la marge, la vérité, c'est que jusqu'à présent, on est arrivé à trouver un compromis suffisant pour pouvoir continuer à avancer. Mais c'est arrivé dans le travail, nous, pour qu'il y ait des apports, des divergences. Absolument. Et c'est prévisible. Mais nous mettons sous pied un système d'eau pour arriver à résoudre dans la cordialité. L'idée que nous avons mis 10 mounes dont, qui sortit de perspectives différentes, qui sortit d'orientations différentes, qui sortit de secteurs différents, qui gagnent des intérêts différents. Et que vous avez systématiquement entendu sur tout le bagage. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on choisit diversité, ça. Mm. C'est parce que justement, on attend à ce que chaque monde apporte perspective pâle, mais que en finalité, on a bien suffisamment de patriotisme, on a bien suffisamment d'engagement pour nous chercher qu'autre consensus là. Et moi-même, qui a dit jusqu'à ce jour, c'est ce que nous sommes arrivés à faire. Mm. Est-ce que c'est bon genre, relation, ça qui existait entre, ou même avec membre conseil présidentiel là qui était exécuté présent sous la caille conseiller Gilles et gain pile parole qui a parlé vers son propre qui s'allie. Pas sûr de qui soit fait référence, mais nous sommes premier ministre et un président, un conseiller présidentiel invité la caille côté gain l'autre conseiller présidentiel. C'est tout à fait normal que nous répondons présent. Maintenant, qui s'est passé, qui s'est discuté là quand on président, on conseiller présidentiel avec le premier ministre, comme je suis sûr qu'on comprenne, c'est bon, bah, que j'aime bien de me discuter. Non, mais l'État va quoi? Oui, bon. Non, version PM, là, c'est que il a été reçu par le président chez lui avec d'autres présidents et d'autres invités, et c'est tout ça seulement qu'a dit. Mbaka commenter son ni bien ni mal, mon président. Donc, toute conversation, tout échange qui fait dans le contexte, ça, vous comprenez que c'est bon, bah, nous allons mettre dans la rue. Mm. Bon, vu ça, la presse rapportée. Oui, monsieur Douce. Il y a des gens qui disent, est-ce que PM n'a été obligé à l'antique du rapporteur, comme ça, par rapport à ça, il y a rapporté qui était discuté, par rapport à ce rapporteur, là, t'as fini, vu l'urgence de l'heure, je pense que de l'autre bagaille, qui est plus important. Puis, on était capable de discuter. Donc, voilà pourquoi les gens disent, donc, il n'y a pas de nécessité au rapport. Pour ça, c'est vrai, son conseiller président qui est invité au premier ministre Lakaïli, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de finalité. Là. Oui, je respecte ça, son perspective. Mais nous-mêmes, son conseiller présidentiel, un conseiller présidentiel, un président de la République, avec de l'autre mandat en rencontre, dans n'importe quel contexte, ou même en tant que premier ministre, la chose à faire, c'est chita pour coûter. Je ne sais pas moi-même, la perspective par moi, l'expérience par moi. Le bon opportunité pour Chita, pour discuter de pays, pour discuter de, pour joindre un consensus, pour mener mon avoir, pour capable assurer que tout le monde comprenne côté nous voir ensemble, son investissement qui vaut la peine. Parce que, encore une fois, rappelons, il y a un défi, c'est pas seulement comment nous pas l'approcher gang, il y a un défi, c'est Kembe coalition, ça. Qui est très fragile, parce que justement, venant de secteurs divers, avec des intérêts divers, qui pourraient entrer dans une période électorale, il est absolument important pour nous quimber coalition ça ensemble, pour nous assurer que nous n'avons pas avancé en même temps, pour nous assurer tout que le gouvernement de transition n'a pas une force côté. Il n'y a pas long sens ou bien long l'autre pour que pas des groupes qui sont lésés. Parce qu'autrement, nous allons vers l'échec. Donc, chaque fois, nous faisons effort de continuer à rencontrer les secteurs.
nous continuons à rencontrer tout secteur au cours des dernières semaines. Et discussion nous gagne avec extraordinaire. Perspective sur comment on a pas avancé côté accord 3 avril là est extraordinaire. Espace de dialogue, ça, que m'obliger maintenant, lui, essentiel à succès transition. C'est bon, bah, on va mettre de côté et qu'on a décidé du jour au lendemain que bon secteur ou bien on l'autre secteur, que tout simplement, on va parler avec encore. Particulièrement, le son président qui invite au Vinédéo faciliter dialogue et discussion. Non, certes, c'est pas aider ma dialogue là que observateur qui relativement analysé, pas suivi au gagné et c'est pas problème ça au gagné, mais c'est par rapport à ça discuter. Parce que, et on lui doit dire, sous le problème de pays ça gagné, est-ce que on peut mener ce canal discuter, comment puis partager pouvoir, comment puis avoir job, ou bien des secteurs venir à défendre, ou pas joindre, et ça a demandé engagement que tu prends pour mettre jusqu'à ce que, Il y a des bagages qui répétaient au point que nous avons demandé, est-ce qu'il y a une nécessité pour le Premier ministre là, avec un responsable parti politique ou des groupements politiques qui voulaient le monde dans ce pays-là, tu es obligé de vivre là. Donc, c'est ça la préoccupation. Hein? Par contre, c'est une démarche dialogue là qui est problème. Johnny Yolier, à quoi 3 avril là prévoit qui ça? Il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de parti qui est impliqué là à quoi? C'est ça lié, c'est ça qui fait ouais que ces secteurs avec CPO qui a participé activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base à quoi 3 avril là, et nous-mêmes comme premier ministre qui censé un statut neutre, n'a pas essayé assurer nous que bah il pas pencher ni dans un sens ni dans un autre. Jean Zoulali essentiel pour bien tout partenaire qui est impliqué dans quoi ensemble avec coalition. Ça sont nécessité politique et pas seulement représentant CPO mais secteur. Donc, dialogue, ça, pour nous, qui parle déboucher sous l'autre question, donc, conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement, on compte ça qu'à privé, c'est que, coalition, qui a commencé à diviser et scinder, et si coalition, lui-même, qui a commencé à effriter, garantit ça à que et que population a acheté, Johnny. Parce qu'il faut pas oublier ça. Population, bah, nous, espace ça, pour qui ça? Parce que l'achetons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaître. Et acteurs politiques, ça, ont engagé, ou qu'il y a un compromis jusqu'au 7 février 2026. Et il y a un gars, un compromis, ça, c'est le premier ministre, ça. C'est pour ça qu'on va un premier ministre qui soit sorti dans le secteur ou dans l'autre. Donc, garantie que nous avançons main dans la main. Et long président, il faut que nous continuions à main dans la main avec coalition. Oui, c'est un bon investissement. Mm-hmm. Et pendant qu'on parle de l'accord 3 avril là, et M. Gary Conné, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez que vous êtes attaché à l'accord ça? L'accord 3 avril là, c'est base structure de gouvernance. Ça. C'est un document important que moi, j'ai beau tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter nous. Certainement, il y a l'autre décret qui vient de sortir après 3 avril là tout, qui définit l'autre élément dans le type d'accompagnement ça. Mm-hmm. Donc certainement, c'est une référence importante et essentielle pour nous dans le cadre de transition, il n'y a pas de doute. Alors, m'a rappelé pour tous tes amis qui attendent l'émission là, mon qui a parlé, c'est Dr. Gary Conné, c'est jeudi à la même, li, et alors, c'est première intervention, li, m'a capable de dire, pour... Et alors, c'est une grosse émission qu'il participe. Il a abordé plusieurs points, ok, dans l'émission ça. Et m'estime qu'il est extrêmement important pour que nous tendez avec un peu d'intérêt. Peut-être que, ou l'a dit non, tel mais on tendez. N'attendez-le, parce que, ou même, ou a une réaction. Mais même tout, cap tendez ensemble à volant, m'gile pas avec un bralzi. Ok? Ça veut dire que, on nous tendez avec un peu d'intérêt. Et puis, pendant que tendez en tout, ou qu'a exprimé ou, dans l'espace commentaire là. Quittez. Et un commentaire. Il est très intéressant. Docteur Gary Conné, on a d'elle. Non, après ça, et nous voyons jusqu'à présent, qui quand même soit pas respecté ou pas sous respecté, par exemple, il y a une divergence comme journaliste, nous gagne, et comme information, tout qui gagne dans la question après ça, c'est que vous avez dit que vous avez prévoir pour ces CP qui gèrent la question directeur général, etc. Et je vous dis, on se proche CP à faire comprendre que vous n'avez pas toute l'attitude, ça vrai, et que vous obligé dans la négociation avec Primature pour comme vous avez changé tel DG, comme vous avez remplacé, etc. Est-ce que vous avez comme ça? Non, si à quoi tu as prévu tout le bagage pour que ça ne va pas s'appliquer le fini? En fait, à quoi et constitution prévoit comment pour DG ou non, mais. Et c'est le président qui nomme en Conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le Conseil des ministres a un rôle pour jouer. D'ailleurs, c'est le ministre qui introduit et énoncer les motifs. Donc, le processus là lui-même, comment le fait, c'est le ministre qui dit que même pour raison
que m'a changé ou ben m'a nommé directeur général ça. Donc constitution lui-même prévoit que premier ministre avec gouvernement ont un rôle important pour le jouer dans cadre sélection directeur général. Mais deuxièmement et deuxième bail qui est important, rappelons que neutralité à Célix censé aider nous garantir un que nous toujours mener les personnalités les plus compétentes, deux nous qu'un bon équilibre entre les intérêts des différents secteurs. Donc comment processus là il y a en toute transparence. Essentiellement directeur général yo choisi yo identifié en tout cas par CPO avec discussion avec ministre et avec discussion avec premier ministre. Donc une décision par exemple nous prend c'est que un parce que nous avons temps limité nous pour aller au cas par cas et c'est très important. Ça veut dire que n'a regardé pour nous une boîte côté directeur général là soit gain des histoires de corruption, soit gain des problèmes de performance, soit qu'on raison spécifique qui fait fond, qui veut faire changer. Deux, si directeur général ça a une raison spécifique pour changer, n'a pas gardé en dedans boîte là d'abord. Est-ce que qu'on monde en dedans boîte là que nous cap promouvoir remplacer dans place là. Trois, si nous pas joindre un monde dans boîte là qui a assumé poste là, nous pour chercher un monde dehors et n'a pas gardé CV monde, n'a pas gardé expérience, il n'a pas gardé capacité pour l'assurer que un, il pas venir apprendre métier là. L'a déjà connu comment fonctionnement il a expérience pour faire travail là, l'habitué faire management là et puis nous prendre. Et c'est ce processus qui bat au premier lot de directeurs généraux qu'on connaît. Encore une fois ça, c'est un processus extraordinaire entre des gens qui historiquement pas de jamais fait grand pas ça. Et je pense que produit a pas parfait, produit a pas excellent, c'est pas quand ça n'a pas avoir un côté son seul monde qui a choisi. Tout directeur généraux nous choisit. Il y a deux catégories vetting. Yo gen vetting que tout CPO fait yo même entre yo et ensuite le vin join gouvernement, gouvernement encore a fait vetting pour yo pour assurer yo que pa gen dossier, yo pa gen antécédent, yo pa trop aligné à un secteur politique, c'est pour ça ouais d'ailleurs que la nomination que nous fait là yo ou pas aucun visage qui est emblématique d'un groupe politique. Ouais, non, essentiellement ce sont des techniciens qui probablement gen affiliation politique mais essentiellement présentés comme des figures neutres. Et pour moi Johnny, c'est une bonne chose. Particulièrement sous comparé à sortir ouais avant et comment le t'es fait avant. Et je crois que nous avons un bon équilibre et n'a pas continué à avancer comme ça. Les monsieur Koné tape formé gouvernement jusqu'à installation et gouvernement déclare que la réduit le nombre de ministres pour permettre qu'on politique d'austérité qui a appliqué et dans cadre des actions gouvernementales. Mais à au grand étonnement de tout le monde, il était venu gagner 3 ministres en portefeuille qui étaient venus ajouter sur liste 14 ministres qui étaient déjà existés. Donc, qui s'est expliqué ça parce que 3 ministres, ça aussi, c'était petit collier, bon, quoi, plus. OK? Donc, si nous disons, nous faire austérité, nous avons réduit les dépenses d'État, qui nécessitait 3 ministres en portefeuille, ça. D'abord, merci beaucoup, Johnny. Mais en fait, c'est 2 gains. Et ensuite, nous réduit de 18 à 14. Donc, c'est assez significatif. Et troisièmement, évidemment, on ministre en portefeuille, c'est pas même budget, c'est pas même poids qu'on ministre. Donc, différence là assez significatif. Et évidemment, dans un troisième temps, nous pas jumelons les ministères. Nous mettons un seul ministre sous tête 2 ou 3 ministères, qui, à mon avis, tout représentait un peu vision de côté de Bralé. Donc, ça baille ministère, ça a eu opportunité pour le refaire. Par exemple, moi-même, dans pile pays, je travaille, ministère de la planification, ministère de planification et finance, c'est en général, on baille ensemble. Parce ça que trop lourd, et non, pas si vous organisez le bien. Dans plusieurs pays, passés, c'est le modèle, parce que ça te permet d'avoir la planification et finance. Voilà, donc, ça te donne une idée. Donc, tu as 2, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est voir un signal clair, parce que rappelons que lorsqu'on ministre, ça vient avec tout, en termes de budget, en termes de lot, en termes de local. Tandis qu'un ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint. C'est une fonction d'accompagnement du premier ministre, ce qui est très important. Donc, structure, infrastructure, influence, ministre conseiller, c'est pratiquement premier ministre. Donc, ça, t'es banou les coudées qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce que faut bien garder, c'est la première fois nous établis au monde qui est responsable de la situation humanitaire. C'est pour un bail qui n'a jamais existé. L'on paye, écoutez, nous avons histoire et certainement nous avons futur d'accident humanitaire. Essentiellement, ici, en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international là qui est occupé. Il est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner réponse humanitaire pour nous reprendre ça en main.
Nous avons l'autre ministre qui est capé de nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance, qui pour moi est essentiel, parce que comme tu le sais, Johnny, il y a un plus gros problème pays qui a cap gangrené depuis des années, c'est des histoires de corruption. Et nous devons par les gens qui sont responsables de portefeuille ça, rendre ministre pour qu'il y ait autorité tout pour travailler sur le dossier. Nous allons faire partie de ça, monsieur le premier ministre, mais pendant qu'on parle de jumelage, là, il y a qu'à dire, c'est vrai, un seul ministre vient sous peut-être deux ministères, mais l'autre ministère qui parle de ministre, il toujours gagne toute configuration, toute architecture, il toujours gagne tout personnel, etc. Ça veut dire c'est salaire avec fonctionnement, peut-être cabinet ministère. Non, non, pas du tout. Moi, je vois que au moment où nous parlons, il y a jusqu'à 25-30% de monde qui est dans l'État, pas en place. Moi, je vois, par exemple, même quitté le ministère de l'Intérieur, côté nous, quand même, peut-être 400 monde, je dis, il y a à peu près 3000 monde. Donc, une n'a pas un ministre qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment il peut retourner à l'efficience. Garder comment il peut réduire le staff. Garder comment ça doit se faire progressivement. Mais si je mets un ministre sous tête, ce n'est pas possible. Donc, là, je force l'entité pour commencer à réfléchir comment il a modernisé la structure de l'État et comment il a rendu plus effectif, plus efficace. Rappelons, Johnny, pas de baguette magique. Bah, ta cabine là, et puis, pour d'un coup, m'évoquer 30% de l'administration publique parce que m'vais réduire la masse salariale. Bon processus pour mettre en blanc. Et premier, ça fait justement, c'est qu'on mette deux ministères ensemble, et puis avec ça, on permet, moun cap diriger lieu, reconfigurer, reconsidérer, garder ça y a besoin, garder ça y a pas besoin encore, et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois, et processus là, commencer par ça, c'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? N'a pas rappelé, madame, monsieur, sur Caraïbe FM, ou à suivre, je n'ai pas eu l'occasion, dans l'espace, ça, invité, non, matin, c'est premier ministre Gary Kony avec les NAPC, commenter actualité, à. Du coup, guerrier, nous mettons terme à première partie, et échange, nous gagnons à premier ministre, et nous prenons le passé là, à une autre étape, et à un autre sujet, nous pensons qu'il a intéressé le pays, à, qui c'est, question de sécurité, guerrier, tout ça. Ah oui. Nan conférence avec chef délégation Kenya, nan micro RFI également, leur sorti Washington nan PM, où t'es pas écarté possibilité pour que gagne un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne zam nan meyo, ou peut-être tendez gagne plusieurs voix qui est levée dans PIA pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça, est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous a dit que la preprendre, c'est que d'abord, faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit, faut déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est que faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si on a un problème avec la justice, faut accepter la justice. Si on a un problème avec la police, faut accepter l'autorité de la police. Donc, faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous-mêmes, nous en prison. Sauf les dialogues, parce qu'on bagaille, ou qu'on contribution, qu'on cabaille. Une fois que système dans l'État reprend l'autorité, ou obligé retrouver. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler quand il faut en oublier, selon chiffre nous-mêmes nous gagnons 50% monde qui l'en gagne, c'est les mineurs. C'est mineur, hein? C'est vrai. Il y a les de 12 à 17 ans. C'est vrai. Faut que nous bayons chance tout pour comprendre que une alternative pour vous sous 12 ans. Sous 13 ans, faut que vous gagne le sentiment que bon l'état qui a pari pour le comprendre côté des circonstances. Faut pour le comprendre que la pression aux gens pour le réintégrer dans la société, c'est 50% de 50. Donc, le m'a parlé moi-même. M'a pas parlé exclusivement pour mon nouvel la radio, mon café vidéo. M'a parlé parce que m'a une bonne compréhension de ça qu'en face, non, et de ça problème, non, et. Mais le message était très, très clair. Moun qui victime, il faut que y'a gain justice et il faut que y'a gain réparation. Pas qu'à aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'à gagner la paix sans ça. Moun qui gagne zam, pas qu'à gagner zam sans ça. Mais, point qui est plus important. J'en nous a jugé les 6 semaines de bim là. Nous, ouais, la manœuvre m'a fait. Toute manœuvre m'a fait. Son manœuvre pour me capable assurer, moi, que l'État capable de reprendre ses droits, tout côté qui gagne dans le territoire. Et de manière très active. Et m'espérer que nous pourrons parler de démarches que nous apprenons dans ce sens, depuis quelques temps. Alors, non, mais, plus explicite sur sur mot ça déposer zam, ça veut dire qui ça, parce que est-ce que déposer zam veut dire que monsieur suspend tirer et suspend
permet moi prendre yon motion et sous point ça que premier ministre là et ça te fait là ou du moins question ça te répondre là même moi dit le clair et ça que m'a ouais dans commencement émission m'était évoqué dossier trafic d'organes qu'a fait dans pays là il bien le bien existé et on connaît monde qu'a fait yo mais par conséquent l'a fait depuis des années mais pas que personne qui j'aime quand il face monsieur ça vous mettre au frein dans des machins parce que nous avons démoli haïtien haïtien pas motocyclette nous avons pas haïtien rachiré haïtien alvan avec étranger on a mis du là haïtien pas bicyclette il pas machine mais on se rend démonter pièce par pièce haïtien on brache que lui on a mis du là pour alvan avec étranger pour c'est pas chargé et en fait m'a dit donc que gagné pour tout monde qui était dans la rue si moun ki te konn ap si machine nan kafou aéroport Delma Pétionville yo si moun je kafou Gérald Bataille si kafou trois mains si moun kafou Fleury yo si moun kafou Marassa tout ça te gen pile en pile en pile ti moun nan la rue et ti moun sa te gen 5 ans en 2017 maintenant 2017 à 2024 ça fait un total de 7 l'année ti moun ki te gen 5 ans konn gen 12 ans côté ti moun sa yo konn ya. Est-ce que l'État te prend Timoun Zayo, te mette yon côté pour que l'État te organise li pour sauver Timoun Zayo? Qui ça l'État? Est-ce que nous contraste Timoun Zayo? Nous pas dans la rue encore. Yon Timoun qui te gen 10 ans en 2017, qui te gen la psye machine dans la rue, boit chan en mel, a passé, a vide de l'eau noire sous soulier moun. Ben écoutez, comprenez bien. Vous pensez que si moun sa kounya ki gen 17 ans, vous pensez l'État gen contrôle li? C'est yon même qui gen gou mitraillet nan men yo, que la police a tout tout temps, yon même qui pa yon pièce technique nan sa fè zam, mais par conséquent, chef gang nan ba yon zam kenbe. Est-ce que nous comprenons? Chef gang la, ba yon zam kenbe. C'est yon le la police jeune yo, la police vidéo a te. La police vidéo à terre. Vous comprenez? C'est la police jeune, la police vidéo à terre. Mais Timoun sa yo par conséquent, involontairement, yo te rentré dans gang. Et n'a dit le clair, souffrance, douleur, calamité, grand goût. Pas gen personne, yo pas gen capacité de réflexion, pas personne qui a pensé pour yo. Yo un groupe qui prend yo, parce que Timoun sa la gade. C'est zam nan de ka parler, c'est ça l'entre, ça yo mette la dan. Libre forme nan. Alors, quelque part, faut que l'État mette en condition pour dire que si tout le monde a un nombre de 5 000, 6 000, est-ce que je ne peux pas sauver la vie? L'État, c'est doué bon papa. L'État doué bon maman. L'État doué une bonne famille qui a protégé tout le monde. Mais par conséquent, gros terroristes, gros paltons, gros gangs, pour ne pas faire de l'État doué une stratégie pour arriver sur eux. Et ça, comme toujours, dit il y a plusieurs façons de manger mon yon kanmen. Moi, si m'te premier autorité dans le pays, dossier gang nan m'ta résoudre li. Quel que soit de messieurs gang qui dit m'baye mentor, mais plutôt gang nan dit m'baye mentor. Mais c'est dernier mot abdi. Parce qu'on pas plan encore, parce que faut que moun de bien vivre. Mais en Haïti, gon groupe vagabond, c'est yon qui l'État passe l'État. Yon vun zam, yon baye zam. Yo fon zam yo bal yo bay zam yo fon bal yo bay bal yo gen bank yo ap tande dollar américain que bandi ap pran nan men moun yo kidnappé yo pou fon imagine on a gen bank li nan trafic zam li nan trafic bal c'est li k ap fon bandi zam nan et exige pou bandi bal comme dollar code bandi jin comme blanc nan kidnapping nan défait exactement nèg sa kidnappé yo y ap kidnappé moun et de, bon, tout le monde connaît que Oliga corrompu yo, nek dans le secteur bancaire là, c'est les kidnappeurs. Nek la vende munition, la vende balle, la vende cartouche, la vende zam. Avec qui est-ce? Avec gang qui a kidnappé moun nan. Il exige gang nan, balle kobli en dollar. Kote kobli a sorti, ou connaissez l'agent kidnapping. Défaite nek yo, qui force nek yo à faire kidnapping nan pays. Kounya soit résolu le problème. En ouè trois étapes. Même de quelque soit monde qui vient avec trois étapes là, pour nous problème de sécurité, n'a pas agi. Si n'a fait laisser frapper, il n'y a pas de problème. Attendez, pas de problème du tout.
Est-ce que nous là? Mais montrez-moi que vous avez limité l'action gang. Parce que pour limiter l'action gang, gang n'a pas une usine qui a produit munitions pour lui dans le ghetto. Vous avez besoin de lui avoir une quantité de munitions dans la réserve. Mais par conséquent, il n'y a pas gagné pendant un mois pour la police à petit ravel. Quand il y a pris son fait, c'est fermer van qui a propagé munitions dans le ghetto. C'est-à-dire que vous marchez ou fermez. Fermez marché ça. Soit fusion 4 dans l'oligarque ou bien foutre dans la prison. Politicien qui a fait bruit dans la radio pour protéger eux. Soit fusion 15 dans yo ou bien foutre dans la prison. N'a qui ne doit assumer gang qui a protégé gang. Soit prend yo, foutre pan yo ou bien foutre dans la prison. Et puis à partir de maintenant, ou pas le match de manœuvre pour que ou atterri sous gang à sa patte là. C'est après de laisser. Et moi pour nous déjoindre. Et moi pour nous déjoindre. Nous avons dit, nous avons dit comment on peut faire gang. Rete, moi je dis nous ça très bien. Haïti va mener tête là. C'est des hommes et des femmes qui criminels en dimension exagérée, qui prennent payant qui mène là. Mais il faut que des gens tout, qui a utilisé de stratégies criminelles pour éradiquer des pratiques assassines qu'a fait son peuple. Moi, je tape foot fell. C'est moi pour nous jeunes. Nous jeunes bon monde dans le pays. Nous jeunes bon monde. Moi, je regrette finiment. Moi, je dis nous pas dans les affaires politiques. Je viens prendre. Je ne job. L'État, je pas poste. L'État, je pas le candidat. Je pas besoin rien. Mais je dis nous ça. Pour Haïti, pas de sacrifice qui est trop grand. Suivez mon regard. Occuper route nationale, yo, et puis rentrer dans la base, yo, et puis là, ça. N'a dit bon nous pas garder est-ce qu'on capable là ou bien déposer zam vle dit carrément remettre zam on mécanisme là remettre zam déposer zam vle dit ça déposer zam vle dit ça veut dire pas rien zam là encore et deuxième là tout aussi important que première qu'on reconnaît autorité l'État. L'État, c'est la police, l'État, c'est la justice, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, l'État, c'est les structures de l'État. Donc second problème avec la justice, rendre toi la justice d'abord. Et comme ou a rendre toi la justice à examen en amont, ça présuppose donc que ou prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc ça veut dire que c'est déposer des armes et puis rendre tout ça son l'autre aspect, ça. Non, ça veut dire que c'est remettre des armes ou gain en amont là et seconde nuance qu'on voulait faire que peut-être que moi-même pas tout à fait qui perdu et que t'as bien aimé essayer de comprendre parce que pour moi il est assez clair. On démarche. Démarche, là, c'est que, sous disposer, suspendre, faire son affaire, rester, ou comprendre que le pas bon pour vous, le pas bon pour pays, le pas bon pour maman ou papa ou soeur ou frère, le pas bon pour génération, que ce soit fait excessivement grave, mais démarche que vous voulez qu'on fait. Vous voulez qu'on remette ça à mon gars dans moi, et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le vin chercher. Et le ça, le pas bon pour vous, le pas bon pour personne. Donc, message là très clair. Donc, si je dis à vous fatiguer, si je dis à vous comprendre que ce soit fait, c'est détruire, détruire un pays, si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rend nous compte, et ça arrive, qu'on rend nous compte de l'effet que ça a gagné sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas le faire encore, mais dimanche là. Ça prend combien de temps? Nous disons qu'il y a un mois, il y a deux mois pour faire ça, il y a un an? Entre temps, depuis 6 semaines, on n'a pas organisé nous. Le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace nous, pour nous arrêter, et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne pouvons pas camper dans tant de personnes. Et même bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, venir le arrivé, premier côté malin, c'est l'encamp des déplacés. L'encamp des déplacés, ça, moi, quand on jeune, qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois, et qui a expliqué qu'il va à l'hôpital, parce que pas rien l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière, les zones métropolitaines, sont détruites. Immédiatement, je me rends compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que je baille accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le ministre, nous avons tourné sur ça, il a fait 8 heures avec 1 minute, c'est le quand même pour nous observer pose drapeau. Nous avons retourné après une bralle par la sécurité en long et en la.
côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, premier semaine Montréal, une premier côté malé, c'est que mal visiter un soldat qui prend balle, côté que épine dorsale séparée pour balle, mal un côté dans l'hôpital qui sous Delma. Comme arrivé directeur de l'hôpital là dit comme ça, premier parce que l'hôpital général là, j'ai dans une situation que l'IA nous complètement dépassé par les événements. Premier samedi ministère, c'est que faut jouer nos gens pour que l'hôpital satellite ça yo, centre de référence satellite ça yo, renforcé par les ressources qu'il faut et deuxièmement que population réorientée dans zone ça. Et c'est clairement défini dans feuille de route que nous voyons par le ministère santé publique là, ça c'est deuxième intervention. Mais troisième intervention qui pas des moindres et qui pas existé du tout avant, c'est ça que fait nous-mêmes dans Washington, c'est réorganiser assistance externe qui sont gros partie l'investissement qu'on fait pour que financement paré pour qu'au fur et à mesure on a récupéré territoire et quoi même sous les Johnny n'a récupéré nous qu'à restaurer l'état, ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire pour que leur population a retourner la caillou au joigne. On garde qu'on va me dériver, c'est pas un concept qui était existé du tout dans planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets éparses qui pas complémentaires à l'effort de ces priorités que nous t'a fait et je dis à nous gain ça. Donc c'est trois dimensions si tu veux approche là que n'a fait autant que nous capables. Et m'obligé dit ça, sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile. Parce qu'il faut comprendre que, à pile dans le ministère, au parquet local, le ministère de l'Intérieur, je dis, à parquet local, et bon staff qui est mobilisé. Parquet local, parce que, bandit mettait, au dehors. Oui, dit ça, c'est qu'on comprend le local, le bâtiment, oui. Oui, non, le bâtiment là. Le fait, c'est que, parquet local, puisque, on va qu'à utiliser. Donc, obligé, de venir rabattre, à des dizaines, dossier, continuité, démoralisé, 25%. Ma pour une organisation, ma pour une agence qui est au FNAC. Imaginons au FNAC, soit une agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff, ça va là encore. Donc, même l'inventaire de ressources qu'on gagne, qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a gagné il y a 4, 5, 6 ans, qui étaient qu'à rapidement rentrer, intervenir, pas là parce que quitté pays. Donc, voici ce avec quoi on travaille. Et, encore une fois, Johnny, il y a eu, nous pas là, nous pas excuse, nous font travail. Mais ça n'a pas aidé. Et moi-même, moi, j'ai une demande pour nous, moi, j'ai une question pour nous. Transition, ça n'a pas réussi sans les médias. Et quand l'un de m'a écouté nouvelle là, m'a partagé avec nos petites frustrations, pas. Moi, j'ai l'impression que nouvelle là, bail comme si n'a parlé de Koweït. Ou bien n'a parlé d'un autre pays. En fait, nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, son responsabilité collective liée. Moi, je dis nous sincèrement, parce que malheureusement, je ne parle pas de séparer avec nous, nous sommes capables de choisir de faire de Gary Conille l'ennemi. Son choix. Nous sommes capables de décider que le problème aujourd'hui, c'est Gary Conille. Ce n'est pas gang qui a tiré, qui a violé. Ce n'est pas élite économique et politique qui a mis gang. C'est pas politique qui kembe pays en otage pendant plus de 20 ans, qui pugé pays à travers la corruption. C'est pas l'absence d'organisation. C'est pas les trois dernières années. Père Moudjou Bagala, qui est important, barre, mais je couille sous l'IA. Élite économique et politique qui a mis gang. C'est ça, ouais. Dans tout ton sort, dit la nécessité. C'est sous ça pour te réduire pour nous. Comme on est fragile. On connaît un fragile quelque part où il doit pas qu'arrêter sous les. Mais. Le PM, ou répétez deux échelles qui fait partie du problème, non? Parce que là, maintenant, priorité, nous, la journée, je dis, hein, c'est sécurité. Comment résoudre problème de sécurité, hein? Et c'est ça la question. Pour résoudre problème de sécurité, hein, faut qu'on ait qui sac baou en sécurité, hein? Et cela me dit clairement, faut qu'on ait gain couille. Faut gain rein. Faut pas peur. Faut pas peur frapper, non, papa. Est-ce que vous comprenez? Faut pas peur frapper. Haïti besoin de monde qui pas peur. Qui pas jamper. Ou même deux échelles qui extrêmement important. Élite économique, élite politique. Ah, papa. C'est au Kiba où? Gang à sa patte là. C'est deux échelles ça qui va ou gang à sa patte là. Affaibli gang à sa patte, je dis, c'est très facile. Maîtriser, ou bien appréhender, ou bien neutraliser, oligarque corrompu, avec oligarque politique ça yo, et puis automatiquement après,
quelque part action gang yo a limité. Soit qui très facile. Gros message que vous voyez dans le secteur privé des affaires là. Moi même n'était qu'à bon bourade. Il faut moi volonté à réel la caillou. Parce que qui s'est passé? Ou c'est haïtien malgré tout, ou c'est haïtien. Mais faut sous une volonté réelle. Sous pas peur. Ou ap chita parler avec nous. Ou ap di nou mais ça ko gen comme plan réel. Ou ap di nou très sérieux, n'a pas sérieux et n'a di PM mais qui connaît pour commencer. De pou tande nou, ou commencer là en vérité mon Dieu, n'a di tout diaspora haïtien nan campé bon côté. Mais là en tout qui to entouré par des voyous. Et même élite économique qui finance gang ça, même élite politique qui finance gang ça, lorsque tu sais même yo même nan k'ap négocier pour mettre directeur général, pour mettre ministre, pour mettre tout le monde dans le pays comme autorité, ça veut dire que même structure, même système n'a pas régénéré tête li, quelque part, on va pas faibli. Si grand nous même qui a volonté, il y a Jovenel ou dans mi-temps. Et c'est ça. Est-ce qu'on prêt pour affronter monsieur? Si gars est prêt pour affronter monsieur, n'a pas chita par la voix. Ou ap di nou oui ou prêt pour affronter monsieur, n'a pas invité dans l'émission, n'a pas gen Boussadjo, n'a pas gen Jimmy, n'a pas gen Foucault, n'a pas gen Tcheko, n'a pas gen tout le monde net. Et puis pour finir pays ya, messieurs dames, moi gen volonté pour aider pays ya, mais ça que m'gen comme contrainte. M'pa konnen. Peut-être que vous allez dire que l'État, gen secret d'État, tel bagata. Écoutez, pas qu'a gen secret d'État pour des voyous qui ont attaqué l'État tout le temps. Non. Il faut que vous gen qui doit exposer sur la place publique. Parce que monsieur Koulev cette tête, m'konnen. Je connais ça qui a passé. Mais sous caché tout, défait tout pour forme vase là. Ou pas épanier, non? Le goudou goudou nous a passé, papa. N'a pas dit diaspora ici, n'a pas fait monsieur confiance. Mais ou bouche douce, en pile. Ou a filé moun. Ou a bay moun maï. Mais pas protéger volé. Montrer nos volonté. Exiger. Exiger de bagay fait. Campé pour dire chef de la police, ma conférence de presse comme chef CSPN. Dit chef de la police là, moins besoin village de Dieu clean. Automatiquement fait ça publiquement, en vérité, mon Dieu, pays a senti que ou gen volonté. Et puis la police là, a bien responsabilité. La médaille, ou passez au commandement la mien, l'ode. Ou état-major la même, ma connaît. L'ode. Et puis comment le petit voleur Kenya ou vin là, ou dit gade, mais c'est fout pied na terre. Ou devin là pour faire l'argent ou ka pour ka mourir tout. Mais faut fort que t'as, al mourir pour faire l'argent. Ou bien tout est vagabond pour faire l'argent. C'est chef CSPN, oui. Nous, bah, on est, nous marquons couilles. Nous marquons rien. On quitte PM dans la vallée, non? En face de ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable de argumentaire. Mais moi, je me dis, nous avons besoin de médias, nous avons besoin de la presse. Nous avons besoin de la presse, aider à rassurer la population, aider à le comprendre, aider à l'organiser pour défendre la tête. Aider à nous utiliser, donner nous des conseils constructifs, participer dans le processus. Là. Parce que nouvelle là, ce n'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est mon Haïtien qui a mouru. Donc moi, on a fait plaidoyer par nous et nous trouvons c'est tout à fait légitime. Mais moi, c'est attirer attention parce que bon, peut-être probablement que doit pas ouais ou bien que doit parce que on doit finir de nous toute décision ou elle doit et vous citez rébuit en pile au moment pour le bail. Donc c'est parce qu'elle parlait, c'est parce que j'entendais Johnny Bamando va d'ailleurs expliquer ça de population. Le policier mieux font pas qu'être fort pour libérer zone hôpital là qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé. Et puis aux médias le lendemain dit que les bandits reprennent l'hôpital là qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'haïtien? Eh bien, bon, vérité, c'est que au lendemain, Bandi était aux environs de l'hôpital là, mais pas arrêté. Mais Bandi a toujours, pas qu'empêcher Bandi de tourner. Ça me garantit, c'est que depuis qu'il tourner, il y a besoin de résistance. Ça pas dépend de nous, mais ceux qui dépendent de nous en nous fait, ils n'ont pas grandi périmètre là. Donc, de dire que l'hôpital a repris sans confirmation, l'hôpital de l'université, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information. Mais PPM, peut-être ça veut dire que nous n'avons pas partagé avant. C'est que l'information, ça a libéré parce que, effectivement, tu as gagné un blindé qui était tout près de l'hôpital là, qui t'est déplacé. Et là, elle t'est déplacé, même l'autre policier qui était dans l'espace de l'hôpital là, t'a dit même, il pas en sécurité parce que blindé a ses protections. Yo, les déplacer parce que tu as gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc, c'est dans le moment ça, effectivement, tu as gagné un pile tir de bandits dans la zone l'hôpital général. Et de fait, moi-même, je dis ça chaque fois, matin, chaque fois dans le journal. Là. Donc, il n'est pas question que la police reprenne contrôle espace l'hôpital général.
Donc, faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là, jusqu'à Porta et Léogane, au moins, qui t'a qu'à permettre que, moi-même, si je vais acheter un médicament, bon l'hôpital là, je suis capable d'aller. Parce que je connais, bandit aurait été, il y a en distance de moi. Mais question aurait été, tout simplement, en dedans l'hôpital là, il est utile à qui ça? Guerrier, merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que d'en poursuivre. Mais faut commencer en côté. Tu comprends? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne peux pas arrêter 170%. Mais pas oublier que l'homme vigne, c'est pas une priorité. Hein? Donc ça me veut dire, voilà, oui, commencer par reprendre le premier périmètre là, et au fur et à mesure, nous obligé élargir encore une fois, avec des assets qui a augmenté, qui a pas amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qu'a passé que n'a pas reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, je crois qu'il faut qu'à d'accord même, que le gouvernement, ça, avec CPTA, baille tête li comme urgence, ou bien l'hôpital là, ou bien le pays là, l'accès à des soins de santé. Je vais vous donner un peu de temps parce que nous avons un peu de temps. Alors, il y a la Timolite PM, mon yo plein, yo ti yo refocus là, plus souris, je vais tout pour l'hôpital là, lorsque dans la Timolite, la situation n'est pas bonne du tout. La situation est en mangomède, donc je connais comment le gouvernement travaille sur ça, qui sont force là pour nous faire là, etc. Alors, dans ce qui concerne les forces-là, il y a deux contingents qui Kenya qui dans le pays, des gens qui ont dit ça y a réglé, hein, qu'il reste ces troupes-là à venir. Connaît-il tout de l'autre pays qui était annoncé à envoyer soldats ou policiers dans les forces-là, matériel avec l'argent dans quatre missions, dans quel niveau nous y Nous, au niveau côté que jusqu'à présent, nous évaluons, nous jouons que y a un bon engagement. Mais là encore, qui des choses que nous pas contrôler nous-mêmes, engagement pas aussi rapide que nous d'arrêter. Donc, une responsabilité, nous, justement, c'est à le faire plaidoyer pour dire tout partenaire ça qui prend engagement depuis plus d'un an, que le moment est maintenant, que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc, nous l'on cadre Kounia, à côté que nous discutons pas plus tard que hier avec ambassadeur, à pas plus tard qu'avant-hier, début de semaine, avec ambassadeur des États-Unis, au ministère permanent des Nations Unies, sur justement urgence ça. Nous gagnons des conversations continues avec tout partenaire bilatéral, même personnellement, balle avec le Brésil et les autres pour nous avancer sous financement, pour nous accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen était engagé là, Kounia, à une fois première évaluation. Nous vraiment espérons que dans les prochaines semaines après eux, mais ça, ce sont des choses qu'évidemment, on ne contrôle pas. Même à profiter de tout qui est très important. Je ne peux pas faire moi-même les erreurs du passé, je ne peux pas faire ça. Moi, je trouve que je suis à 7, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires, et vous s'attendez encore une fois à me citer libre, parce que ce n'est pas moi, 10 000 va pas passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons nous ensemble aujourd'hui, on a réalisé tout ça bien pour nous réaliser. Donc, la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer que pour le gouvernement allié qui t'a fait nos promesses, rencontrer promesses, nous pas prêter nos attentisme. Il n'est pas question pour nous, pour nous chiter attendre, n'a pas avancé avec nous. C'est ça que je suis très fier de M. Policier aujourd'hui, qui lui a fait l'opération, il a fait. Maintenant, Kenya, il y a là, tout qui l'a eu, des contingents qui l'a eu, déjà très actifs. Il a patrouillé la route avec la nuit avec la police là. Il a aidé sécuriser des zones claires avec la police là. C'est des forces qui sont hautement spécialisées. Il a très certainement impliqué en appui à la police là dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous besoin. Mais j'en dis non, nous obligés à avancer. Le nous sentit que un opération a minimisé les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. Deux à permettre que police là lui-même n'y pas prendre des risques qui inutiles. Trois tout gain nous fait, on n'a qu'à consolider. C'est comme ça, l'opération, ça fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti, qui régulièrement chita avec nous, pour nous des idées, tout sous question. Nouvelle équipe, ça a hérité de l'ensemble de contrat. C'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le premier ministre. Mais conseil de bagaille, si vous t'es fait, vous t'as bêté, vous n'avez qu'à signal qu'à vous pour volonté pour résoudre le problème et sécurité. En regardez, je dis à la conseil présidentiel transition, dans tout document qui est écrit, d'ici à jour, c'est pas le national. Il n'y a pas qu'à aller parler de la soudain, il a décidé de parler, mais c'est pour mon plaisir. C'est parce que tout simplement, parler, il y a une menace dans le jour. Et jusqu'à maintenant, beaucoup. Ministre intérieur, là, ministre intérieur, là, ou même, ou titulaire, ah, il est. Vous comprenez, bon, nous avons dit, depuis qu'il a descendu en bas, il travaille normalement, etc. Alors, ce que vous me dites, quoi, que ce soit parler de
absentéisme dans le niveau d'administration publique, vous avez considéré comme tel, ce n'est pas un décès. Bon, je pose une question à tout le monde. Ce n'est pas un décès. Vous allez dans le ministère intérieur. Tu sais, encore une fois, question légitime, mais il est revenu à la question initiale qu'on dit. C'est que j'ai des ressources qui sont excessivement limitées. Si je sécurise le périmètre, je suis obligé de déplacer des forces que je peux utiliser autrement, justement, par exemple, pour me voir graisser. Donc, c'est choix ça qu'on fait chaque jour. Parce que faut comprendre, chiffre 7000 là, il va suffisant. Je suis un exemple de pays. Il faudrait pour pouvoir sécuriser, même par une zone comme la zone métro. Même métropolitaine exclusivement, mais le pays, trois fois plus de policiers, plus l'armée que je n'ai pas. Donc, il y a des choix stratégiques que la police fait sur la base de l'intelligence qu'on gagne, sur la base de risque qu'on gagne, sur la base de l'équipement et capacité qu'on gagne pour déployer, j'ai eu qu'à déployer pour nous sécuriser. Même moins qu'à dire, effectivement, parmi les priorités, c'est de reprendre la zone administrative, de sécuriser l'hôpital, ça fait partie des priorités. Donc, c'est au fur et à mesure. Quand une fois nous sortons des lits, l'héritier d'une infrastructure qui va approprier et n'a demandé de faire miracle avec. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, on a regardé pour nous comment on peut maximiser l'infrastructure que nous avons là, comment on peut maximiser l'accompagnement que nous avons, comment on peut chercher l'autre asset que je dis, qui parle en jouette là, pour être capable de faire la population à l'attente de nous. Donc, on a pratiquement fini, monsieur le Premier ministre. Vous parlez de considérations que vous faites pour attaquer Gangyo, mais il y a des gens qui sont capables de dire des rapports internationaux, de national qui démontrent que Gangyo, même, il n'est pas formé de par eux-mêmes, il y a des mains qui soit dans le secteur politique là ou bien dans le secteur privé qui participe d'alimenter, est-ce que vous autres, dans le plan de guerre pour une bataille pour la sécurité, nous avons volé pour attaquer, nous avons investi surtout, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur politique là, qui te soit contribué ou bien qui continue à alimenter le gang en amoyant. Écoute, absolument, absolument. Nous n'avons pas arrivé là pour compte, non? Et ce serait une erreur de croire que seul les mondes qui sont responsables, ça n'a pas vivre là. Je dis, évidemment, qu'on y a en première ligne, c'est ça. Mais éventuellement, il faudra que les responsables aient leur moment devant la justice. Il faut que nous allions dans le fond. Et pour qui ça, c'est parce que pour ne pas jamais retourner côté nous y est encore. Et c'est ça, l'engagement. Évidemment, moi-même, nous gagnons 17 mois. Et agenda et mandat, ben, excessivement limité. Et nous-mêmes, encore, nous sommes dit, l'excessivement ambitieux. Et une des priorités, c'est de rétablir un minimum de sécurité physique et d'avancer rapidement vers les élections pour que le 7 février, sans faute, nous avons un gouvernement élu. Donc, c'est ça, premier engagement. Mais certainement, pendant la période de transition, ça, on a fait tout ça, on est capable de faire des mises en place. Donc, à rythme, nous parler là, donc, on a bien temps. 22 mois, on a bien temps à respecter. Le premier, ça me fait, c'est que mal rencontré expert qui l'a en conseil électoral, là, m'a demandé pour y avoir un calendrier à rebours. Donc, pour travailler avec, sous si font une élection le 7, qui s'acquitte pour faire, qui le pour élection faite, qui le pour constitution, qui le, et qui le pour gagner un minimum de sécurité. Pour nous avancer. Sous base analyse, moi-même, je vais retourner devant la population pour me dire si c'est objectif, réalisable ou pas. Évidemment, pour avoir une question de méthodologie. Mais deuxièmement, tout, il y a une pile discussion qu'a faite là, qu'on y a autour de l'approche électorale là, tout. Ce qui n'est pas normal pour moi, que je vais considérer comme un échec énorme, c'est qu'on arrive en novembre et qu'on n'a pas élection, ou bien qu'on arrive le 7 février et qu'on n'a pas des élus. C'est pour ça que c'est une priorité. Nous, ouais, CPT a travaillé sous conseil électoral là, mais espérer qu'on a bien très très vite, et puis me promettre nous que je vais retourner devant la population pour me dire, mais ça nous a fait réalistement. Mais dashboard là, mais calendrier pour nous monitorer. Et le ça, si nous avons sorti le calendrier, nous-mêmes nous avons carré pour nous. Pas gagner élection sans sécurité, si route principale est toujours bloquée, qui est la radio, pour ça, on va concentrer sur ça, parce que les gens qui ont écrit la veille, on va demander qui est la route Grand Sud à débloquer, qui est la route Canada à débloquer, qui est la route, on a capacité pour le cabot d'aller. C'est ça, vous voulez bien faire. C'est ça, vous voulez, et vous avez raison. Et vous avez raison là demande. Vous avez raison, vous faites preuve d'une patience extraordinaire, et moi, je comprends et je compatis. Mais de l'autre côté, tout, il faut. Fais autant d'émissions sur le fait de expliquer ça nous-mêmes nous hériter, expliquer où ça n'a pas essayé de faire progressivement. Moi, qui déplace, et rassurer, sur les électeurs. Et rassurer, et rappeler, justement, déjà là, on a fait l'évaluation. Avant même nous essayer de entreprendre tout un processus d'évaluation de ça. Tout ça nous-mêmes nous a fait en termes de préparation. Avant CEP à Vinchita, nous déjà entrepreneurs, incluant des choses de financement, etc., des affaires logistiques, il y a déjà en cours. Mais, demandez-nous, promettez-nous. Que dans les prochaines semaines, je vais retourner là, en chita avec nous, pour me dire exactement ça me qu'on a livré à l'intérieur de période que vous avez pour nous. Ah bon, allez. Alors, il y a le magistrat de Bouillot, on a parlé de paquet de CO qui gagne 2 semaines depuis yo en grève. Donc, je me demande, est-ce qu'au courant, si oui, de concert avec ministre de justice qui s'est fait pour permettre que, en tout cas, revendication soit satisfaite. Et il y a une autre question. Il y a une organisation de monde qui dit demander PM. Non, chiffre 50% membres gagnent, c'est des mineurs là à côté de Joanny. Est-ce que tout c'est pas une base? On a cherché
dans niveau pire au niveau de l'État pour qu'on capable al chita parler négocier à gang yo l'en dit que 50% non membre gang yo c'est mineur. Donc deux questions, question grève dans niveau magistrat de Bouyo donc paquet CEO et 50% encore une fois m'pa quoi rien dans comportement qui montre que m'a cherché parler. OK, moi-même ça m'a cherché faire c'est mettre en place les systèmes qu'il faut pour m'assurer que moi reprendre territoire. Ça question ça pas qu'à sortir l'autre côté qui dans Pierre qui dans équipe expérience là. Et bien expérience là il m'a mis tellement comme si parce que son chef de gang qui dit li pa vle wè gang. Mais par conséquent, il y a des gangs privilèges, il y a des gangs pâles. Des gangs pâles, il y a besoin pour faire, pour le protéger, mais pour éliminer tel groupe gang. Je dis un plus gros problème, tout n'est qui a mes gangs dans le pays, il y a un problème barbecue. Ils souffrent maladie barbecue, parce que barbecue, il y a un plus gros coup dans le dos. Plus gros coup. Parce que imaginez-vous, toutes les affaires gangs criminels assassins qu'on a exécuté pour l'argent dans le pays, pour les politiciens, pour des hommes d'affaires dans le pays, je dis un. Au niveau kidnapping, alors, réseau kidnapping qui est monté à kidnapping, nous rançonnons les gens, ils ont une capacité économique extraordinaire. Ça vient de là, ils ont une indépendance tête chargée. Quand ils ont quelque part chef gang, ils ont même une peur mourir tout. Parce que le volume de l'argent, ils ont envie de jouer l'argent. Dans l'espace sale côté, ils ont caché. Quand ils n'ont pas envie de faire un job sale pour les gens. Vin Jono Barbecue Jimmy Cherizier qui est transversal quelque part, qui parle avec tout secteur. Qui ont une capacité qui parle avec tout le monde. Ben, conseil. N'est-ce pas des raisons? Qu'on a tout gang yon font cette plateforme. C'est gros bagaille, oui. Tout gang dans la zone métropolitaine mettent yon ensemble. Qu'on a politicien presque pas une gang pour utiliser. Barbecue sont mélangés. N'est-ce que estime que si barbecue mourit, je dis, y a pas qu'à faire gang yon et goumé, j'en ai été contre goumé encore. Mais premier cible, ah, bah, les relais Jimmy Cherizier barbecue. Pierre Espérance, besoin éliminer barbecue. PM Gary Koni fin balé. On qui pour arrêter et nous rebailler pays à tranquillité. Donc question que tu poser, c'est si eux même ils veulent une conversation, moi dis maintenant qui condition. Donc il t'a pas chercher ça. L'État lui-même a travaillé pour que li reprenne territoire, li arrêter moun qui pas gain droit de droit, li bay moun qui gain justice, moun qui besoin justice, c'est ça comportement l'État. Question de poser, c'est que si en face ou bon mais ça pour passer avant. Mais deuxièmement, UNICEF gain que le 30%, que le 40%, que le 20%, que le 25%, gros nombre significatif de gangs selon indicateur gain qui c'est des timons jusqu'à 12 ans l'autre jour encore quoi nous ba un rapport dont timons 12 ans que boulé dans de mauvaises circonstances. Donc son composante importante liée. Et l'on a fait type d'opération, ça n'a pas tenu compte de ça, l'opération. On n'a pas traité un petit monde de 12 ans, donc on traite un adulte. Ça, c'est une réalité, comme vous comprenez, qui a mis le monde mal à l'aise, mais c'est une réalité, côté que un monde qui est responsable, un monde, l'État responsable, obligé, et mettez facteur là-dedans. On pose un bouton que tu pour que vous traitez tout à fait au courant de ça, quand le ministre de la Justice a travaillé activement avec vous pour jouer une solution de compromis, et n'espérer que dans les prochains jours, son situation qu'à résoudre. Mais m'inviter à nous tourner l'île pour nous beaucoup, beaucoup plus de détails sur ça. Et on voit, nous, dans une situation économique, là, nous, avec un grand goût dans la rue, il y a la richesse, on voit une question de gaz là, nous sommes montés là, des fois, nous avons fait tout le journée, mais on voit ça. Nous avons fait tout le journée, mais son première conversation, et m'a dit, entre temps, nous mettons public, qui ça nous coûte en priorité, non, pour faire grand goût, pour faire redressement économique, pour faire relance économique, pour faire déplacer tout ça public ou qu'à garder, et très bientôt, tout, on va que chaque ministère qu'on a pour tourner une journée, non, pour nous exactement ça, on pourra le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, on va garder pour exactement ça, on a fait en tant que gouvernement. Mais, Johnny, vraiment, fun qui doit aller, parce que nous avons fait tout ça avec nous, mais nous espérons, nous avons fait effort pour nous poser l'essentiel, mais nous pas poser toutes questions, parce que vraiment, ouais, auditeurs, poser plus que sur racine. C'est normal. C'est normal. Vous avez des préoccupations. Vous comprenez? Mais sauf que, dans la nation, on te dit, il y a des mesures concrètes qui prennent là, puisque nous avons fait plusieurs semaines après avoir avec la police, avec l'armée, comme pour annoncer des opérations musclées, le peuple a juste attendre. Qui les a dit, qui ont dit service renseignement, on travaille avec lui, etc. Mais vraiment, dernière question, parlant de renseignement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, formation qui fait quoi que, Gary Koni, comme premier ministre, vient là, il rapatrie tout, moyen de toutes les façons encore une fois moi connais que son que là la Radio Caraïbe et on connaît c'est des journalistes
Et je connais que des journalistes pas fiers à rumeurs, etc. Et moi-même, personnellement, je ne réagis pas à toute qualité de rumeur, bagaille, autrement, ouais, laisse avril, je ne vais pas occuper sécurité. Mais il y a longtemps de tout, ou quand on essaie de réfléchir, pour voir si bien ça se même, et pour avoir une réponse très claire devant. Quelle est la médaille qui est plus active? Nous promettons que dans les rois sentir très très vite. Ça me promet tout ça. Notre travail, il faut travailler en coordination avec la police. Nous faisons rencontrer, nous faisons impliquer à deux dans la planification stratégique. Et me promet nous que nous allons sentir ça très vite. Et Johnny Guerrier, vraiment merci. Merci pour le travail à faire. Merci pour le champ à faire là. Merci parce que nous avons des pressions sur les dirigeants et vous délivrer. Merci le fait que nous avons communiqué, même d'ailleurs, mais ouais, nous tous un peu plus engagés dans l'idée population. Comprendre que sécurité n'est pas là à faire la police seulement. C'est la fête tout le monde. C'est la fête tout le secteur. C'est la fête secteur privé. C'est la fête. C'est pas parce qu'on est plus ou moins confortable dans la zone Pétionville là. Pourquoi que ça a passé en bas à Wapton la police? Donc, nous besoin. Même si on a pas la Tibonetto. Exact. L'en bas la Tibonetto se pose une question. C'est une gros priorité pour nous. Ou mettre quoi, moi, n'a réfléchi pour nous comment nous allons entrer sur, mais n'a pas entré sur. Et le mot, parce que nous avons comparé avec le passé, c'est pas seulement entrer à la fond opération et puis ensuite nous tourner et puis dans 3 mois nous tourner. Faut capable de faire opération et bien ensuite faut capable de consolider et consolidation en demander un peu plus de réflexion. Monsieur, merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, parce que vous êtes disponible pour te répondre à une question. Radio-Télévision Caraïbes, nous excusez auprès de une quantité vraiment d'auditeurs et d'internautes. Quand vous avez une question, nous, c'est dommage de ne pas de chasse faire. Voilà. Et ça, avec ce que nous espérons prochaine fois. L'envenir, laisse assez auditeur qui a posé aux questions, nous-mêmes n'avons simplement sa vie d'intermédiaire. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, c'est ton plaisir. Dans le doute sur information, s'il te plaît, service de presse, même, faut admettre que son gouvernement est excessivement transparent. Service, moi, yo, là, pour renseigner, nous, pour une bonne information. Avant de courir avec eux, je suis à votre disposition pour m'assurer que nous gagnons la bonne information. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, monsieur le Premier ministre, pour parler de Caraïbes FM. Voilà. Merci en pile. Et justement, c'était Premier ministre Dr. Garikoni qui était dans l'émission Johnny Ferdinand et Guerrier. Alors, je remercie et salue Johnny et avec Guerrier qui font belle émission. Mais même jamais si vous dire, il y a un pile question et qui peut être. Alors, population, quelque part, pas d'abjam pas été sous soif. C'est toute question que d'abjam ka fin posé. Même parce que ça qui était plus important, c'est que c'est connaît comment moun qui dans le sud après rentrer Port-au-Prince avec facilité. C'est qu'on est moun ki nan nord ap rentre Port-au-Prince avec facilité. C'est qu'on est moun ki nan Port-au-Prince ap capable rentrer faut pas ici mal passe avec facilité. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. Yon moun plateau central Belader k'ap connaît comment la faire moun kabrit sans problème. Yon moun ki t'habite la plaine, moun ki t'habite dans zone Lison k'ap connaît est-ce que la capable vivre la kayli, chèl te kon vive. Yon moun ki t'achète un petit terre qui te construit belle petit kay dans zone et m'capable dit non. Et dans zone meilleure, quoi de bouquet, la connaît est-ce que le carton est la calibre pour la vivre? Et c'est ça la question. Et ça que le peuple a besoin comme solution. Ok? Dans tout problème que même le bagaille. Mais naturellement, nous connaissons d'où le gangou déjà. Gangou là depuis longtemps. Pas d'abri jambes bagaille gangou. Parce qu'il n'a pas produit rien. Mais qu'on y a, n'a pas le résoudre pour l'autre problème yo. Après que nous finissons le problème de sécurité ya. La question, ou du moins, premier bagaille en priorité, c'est que, fuck li, c'est sécurité ya d'abord. Vous comprenez moi? Alors c'est ça. Et moi-même tout naturellement j'aime dire n'a pas continué mener bataille là. Et nous pas gain support pour nous bailler yon moun, nous gain support pour nous bailler yon pays ou fait ça qui bon. Bravo, ou fait ça qui mal. Nous dresso, sous l'étendez, nous donnez ça très bien. Nous pas gain pour nous peur, nous faire la paix avec la mort déjà. C'est que pas gain l'autre possibilité. Haïti dans coma. Haïti besoin seul bagaille comme c'est homme. Sans petite li. Qui haïtien qui prêt pour bailler seul pour Haïti? Et c'est ça seulement nous besoin. Haïti besoin qu'on ait qui petit, qui vrai petit lio. Et dans l'état pays là, les gon facilité pour identifier vrai petit lio avec faux petit lio. Ou du ce petit Dessaline, ou remet bout terre, est-ce qu'on prêt pour sacrifier pour bout terre ça? Qui sort prêt pour bailler? Qui sort prêt pour faire comme sacrifice? Et ça qui est important. On gonfle pour être nous. On gonfle ven nous. On mette main pour payer capable sortir dans sa quel nouvelle là. On gonfle pour être. On gonfle main. Haïti besoin nous. Faut que nous aidons pays à sortir dans ça. Trop souffrance, trop douleur, trop calamité. Et Haïti besoin sortir justement et dans ça qu'elle trouve là. Docteur Garikoni, nous t'en de l'empile. Intervention. Hein? Nous t'en de tout ça qui dit. Nous avons de notre point. Nous pas prétend aborder dans l'académie. Hein? Mais m'a dit nous que nous continuer mener vraiment bataille pour nous permettre que Haïti
sorti l'an ça qu'elle trouvait l'an. Parce que si Haïti pas mené pas mener là, qui est-ce qui mène là? Et si c'est des monde qui mène là, qui ça fait monde pas ca retirer là? Et ben moi me dis clairement, si c'est monde qui mène Haïti là, et ben monde capable retirer tout. C'est monde qui mettait payer dans état ça, monde capable retirer l'état qu'elle trouvait là. Et ça c'est ça qui est important pour nous, ça que tout le monde doit mettre main pour que nous garder comment pour nous avoir aider pays à sortir l'an trop difficile effectivement qu'elle trouvait là. Gary Pierre-Paul Charles, moi mon pile, mais bon ensemble avec vous. Vous faites intervention ça, nous pas critique, nous contentons d'elle. Au contraire, nous contentons d'elle. Nous invitons pour continuer. Parce que ou connaît monsieur yo. Me sent trop envie de dénoncer yo. Mais vinn jwenn nous Gary. Parce que intervention ça moun yo remel. Yo critique envers ou même moi parce que qu'on contribuer dans aider nèg yo mettre pays là. Li clair. Li évident. Parce que qu'ka admettre li tout et sous près de admettre li pays a plus près comme si m'a dit pour entendre ou. Mais on ka dénoncer Gary. Pierre Paul Charles. Yo matin. Bon Dieu béni nous. Question corruption. Faut ça fini. Nous gêner dans le pays ça. Pour nous voir comment à visière lever des hommes et des femmes qui sont appelés à promouvoir la démocratie. Des hommes et des femmes qui sont appelés à porter le changement dans ce pays misérable. Mounsayo, il a pérennisé ce système là et il a fait peuple là souffrir. Nous rappelons bien, parlementaires en d'un pays ça, non langage de partage de responsabilité, partage gâteau, t'es toujours exigé à pouvoir exécutif là, à la présidence, à premier ministre pays ça. Faut que même comme parlementaire yo participer dans décision pays ça à prendre. Yo forcer la main à président te fait campagne qui gagne. Yo forcer la main à la primature et yo gagne des postes de responsabilité en dans pays ça. Ces parlementaires ont pillé la BN. Volé yo. Ils ont pillé la douane. Mm-hmm. Pour la PN, il y a un parlementaire qui a eu même un bureau Hervé Foucan au niveau de la PN. Oui. Chaque matin levé, au lieu d'aller au Parlement, là l'épito, dans APN, dans Chita, là le contrôler comme un cob cap entré. Parce que c'est lui qui t'est proposé directeur général APN. Il a fait même bagarre dans la douane. Côté des députés, des sénateurs, ont cassé les caisses de la douane. Ils ont refusé catégoriquement de payer taxes. De parlementaires, ils se sont transformés en contrebandiers. Ils ont distribué des armes dans les quartiers populaires. Mm-hmm. Que ce soit à Port-au-Prince, dans la zone métropolitaine, que ce soit dans la ville de Provence. Et nous avons vu qui j'ai eu gagné l'élection et qui j'ai écrasé le bureau. Ils ont fait dans l'Ouest, ils ont fait dans Grandance, ils ont fait dans le Centre, ils ont fait dans la Tibonite, ils ont fait un peu partout. Mais de côté, ils ont fait le Moise. Et à preuve, ouais, il y a des parlementaires qui n'ont pas même qu'à rentrer dans le Parlement parce que l'élection était obligée, faite en retard parce qu'elle était gâtée. Il y a des zones rouges. Où sont-ils aujourd'hui, ces parlementaires? À première vue, ils ont été, pour la plupart, sanctionnés. Que ce soit des parlementaires du plateau central, de l'Artibonite, de la Grandance, du Sud ou du Sud-Est. Sanctionnés pour des raisons diverses. Où sont les députés? Ils ont sanctionné, ils ont arrêté, ils ont fait prison, puis ils ont libéré. Gagné des députés, ils n'ont pas député encore, ils ont des brokers, tellement ils ont monté des institutions pour y aller
piller la douane pays ça. Comme président yo considéré ça vivant yo pour la plupart comme paria. Comme président yo tué yo. Comme président yo, gè président qui ferme comme si yo prisonnier. Comme premier ministre, jounen jodi a, il est au nom pays yo expulsé. Côte premier ministre, yo voyager, yo quitter yo là-bas. Yo organisé un coup d'état contre yo, côte premier ministre, gagné qui en exil en République dominicaine après avoir pillé la République. Après au fin vol encore payant. C'est ça oui. Après au fin vol encore payant, détruit payant, fin avec payant, boité comme l'an par million à investir dans immobilier. Ça veut dire qu'on a construit caille belle caille dominicaine. Fait la dominicaine belle. C'est malhonnête, monsieur. C'est grave, nest doit pas sous place publique. Parce que c'est des méchants. Yo criminels en pile. Aïe, monsieur. Mais même dis-nous, vagabondage, la folle finit dans le pays. Parce que le n'a pas toléré les politiciens vol, les politiciens gang, les politiciens méchants, qui a fait nation sa mal. Et puis n'a pas joué avec eux, pas joué avec eux, pas bêtise avec eux. Pas bêtise avec eux. Parce qu'il n'est pas malhonnête. Il est malhonnête, il n'est pas sérieux, il n'est pas honnête, vrai. Il est raï paysan. Politicien haïtien, c'est premier ennemi pays d'Haïti. Et c'est ennemi peuple haïtien. Et c'est des menaces pour nous-mêmes comme peuple. Si nous voulons ça changer, quelque part nous devons prendre des stènes en main. Ça, c'est des exemples clairs pour nous permettre que le pays soit changé. Nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi. N'est-ce pas criminel en pile? Il y a méchant en pile. Faut que nous fassions bagay. Faut qu'Haïti change. Nous ne pouvons pas tolérer n'importe bagay. Faut qu'il y ait des décisions drastiques qui prennent. Il faut qu'ils nous organisent nous comme peuple. Nous ne pouvons pas tolérer n'importe bagay qui fait dans le pays. Situation à vivre la journée aujourd'hui, nous ne pouvons continuer comme ça. Non, nous ne pouvons pas continuer. Faut que nous sortions. Faut que nous sortions dans ce que nous venons. Parce que nous ne pouvons pas quitter le pays à continuer comme ça. Avec ça, nous fait là. Non, nous ne pouvons pas. Faut que nous ayons des décisions drastiques qui prennent. Haïti souffre trop. Nous fait payer trop mal. Nous avons sorti. Mais c'est mais. Pour nous mettre. Et puis nous mettez main, je garantis nous. Nous n'avons pas sorti pays dans ça. Situation difficile, c'est vrai. Mais c'est goumen. Pour nous goumen. Gary Paul Charles, ou prêt pour dénoncer? Ça, tu n'as pas mettre par les garçons. Que ce soit à Port-au-Prince, à la zone métropolitaine, que ce soit dans la ville de Provence. Et nous avons vu qui j'ai eu gagné l'élection et qui j'ai écrasé le bureau. Yo fait. Dans l'ouest, yo fait Gredas, yo fait la Tibonite, yo fait dans le centre, yo fait dans le sud, dans la Tibonite, yo fait un peu partout. Mais et yo sanctionné volant yo. Et à preuve, ouais, il y a des parlementaires qui pas même qu'à rentrer dans le parlement parce que l'élection était obligée faite en retard parce qu'il était gâté. Il y a des zones rouges. Où sont-ils aujourd'hui ces parlementaires? À première vue, ils ont été, pour la plupart, sanctionnés. Que ce soit des parlementaires du plateau central, de l'Artibonite, de la Grandance, du sud ou du sud-est. Sanctionnés pour des raisons diverses. Où sont les députés? Ils ont sanctionné, ils ont arrêté, ils ont fait prison, puis ils ont libéré. Gagné des députés, ils n'ont pas député encore, ils viennent des brokers, tellement ils ont monté des institutions pour y aller piller la douane pays. Comme président, vous considérez ça vivant pour la plupart comme paria. Comme président, vous tué. Comme président, vous avez président qui ferme comme si vous prisonnier. Côte premier ministre,
je ne j'ai dit, il est au nom pays expulsé. Côté premier ministre, yo voyager, yo quitter yo là-bas. Yo organisé un coup d'état contre yo, contre premier ministre, gay qui en exil en République dominicaine après avoir pillé la République. Président de la chambre n'a caché. Président du Sénat sanctionné. Donc, nous sommes dans une situation de corruption généralisée dans ce pays. Et puis avec le blocage, le blocus d'Ariel, nous nous sommes dit enfin, Dieu du ciel, nous prenons gagner un nouveau pays, nous prenons prendre un nouvel élan démocratique. Avec l'installation du CPT, on a remarqué que c'est la continuité du système. Nous disons non. Josia Fon, non, c'est écrit ça. Nous voyons ce qui a passé en République dominicaine. Nous voyons qui j'ai payé ça. Politiciens a payé changer pays. Et puis ce que nous avons remarqué, c'est qu'en fait, les membres du CPT, avec les chefs des partis politiques, ils ont négocié le ministère de l'Agriculture, entre guillemets, vendu. Ils ont négocié l'éducation nationale et le ministère de la Culture, entre guillemets, entre les mains d'un seul conseiller. Ils ont négocié le ministère de la Défense, entre guillemets, entre les mains d'un parti politique, et c'est le représentant de ce parti qui a eu des démêlés avec le premier ministre chez Gérald Gilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est estimé qu'avec 2% du budget, l'IPAP gagne assez d'espace pour le bail employé le travail, pour le bail jeune parti politique au travail, et pour lui-même tout pour le faire comme. C'est une honte. Donc, tout se fait pour de l'argent. Et les conseillers n'ont même pas honte. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. David, la fureur populaire. Ils ont fait pire que ça ne se décrit là. Sur la table des négociations, ils ont dit carrément, mais ça pour nous prend. Mais ça nous prend, mais ça nous voulait. Bon, comment voulez-vous que le pays ça a changé? Comment voulez-vous que le premier ministre Gary Conny donne des résultats? Puisque c'est un homme qui vivait à l'extérieur, il est rentré dans ce pays, donc il fait face avec un système traditionnel, n'a pas dit que plus devant que le pape entre dans le système, non, sinon l'obliger de démissionner. Mais vous n'avez pas peur? N'avez-vous pas peur de rencontrer à un hôtel de la République le 25 mai le président de la BNC? N'avez-vous pas peur de dire aux autorités que c'était une plaisanterie? L'autre a exigé 100 millions de gourdes là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour quitter le poste là, pour garder le poste là? Pour l'argent. Ça veut dire. Nous pas honte pour nous ouais que ou gon moun wa vive avec. On vive avec. Mon kon la loi pas permettre li gagner un passeport diplomatique. Ou forcer la main à l'envers. Nonobstant la lettre du ministère des Affaires étrangères, ou connaît s'il papote nous même nous avons ou pas qu'a fait ça, ou forcer ou menacer pour le bas un passeport diplomatique ou violer la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Méchant. Et Gary ou moi sou parler. Idem dit mon sou parler. Peut-être qu'on a peur. Mais m'a dit garçon n'ayez pas peur. Vous sou parlez, mais m'espère vous parler pour tout bon garçon. Bon Dieu béni Gary. Ça va ici n'a tourné oui pour l'autre édition. Bon Dieu béni chaque grand nous qui t'attendait et garde émission hein. Bon Dieu béni Haïti chéri nous. Moi mais nous en pile, nous pas m'sé bétou. Né grand yo petit paysan. Moi mais nous en pile n'a tourné pour yon l'autre édition. Kembe là. Moi mais nous en pile vraiment. N'abtonnez.